Va mourir avec ma nappe toute moche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quoi? Il est vendredi 6. Oui, je suis en train de discuter avec ma fille adorée que j'aime tellement fort, qui m'a dit que ma nappe elle est moche. On a fini de manger. Bon, ils étaient en train de débarrasser, mais ils n'ont pas nettoyé la table, c'est crade. Franchement, sérieusement, c'est une équipe vraiment qui sert à rien. On n'a pas fait le dessert. Mais oui, on va prendre le dessert après en pause. Alors, moi j'ai fait des petits achats à Créatitude que je vous avais montré. Encore, hein, ça va. Sur le live. Mais j'ai pas pris le temps, en fait, de... J'étais pas bien toute la semaine. Donc, vous avez dû voir le dernier vlog. Je vous expliquais que tout le côté gauche, il est un peu patraque. Mais, du coup, là, je vous prends avec mon téléphone. J'ai pris les promarqueurs métalliques et les promarqueurs néon. Grâce à Sandy, n'est-ce pas? Hein, tu voilà. Merci. C'est des marqueurs... C'est pas des marqueurs alcool, c'est des... Allô, ils sont allô ceux-là. Ces promarqueurs-là, c'est 12 promarqueurs. Donc il y a 6 néons, 6 métalliques. Et je vais faire le swatch. Tranquillement, je vous reprendrai demain à la lumière pour vous montrer. Peut-être je vous filmerai tout à l'heure si monsieur il est courageux pour recharger le blender à alcool. Donc, je le ferai demain. Et je vous ferai le test demain du Copic Opaque White, pour celles qui n'ont pas vu sur le live. Là, c'est un graphite qui me manquait. C'est le seul qui me manquait pour avoir toute ma collecte. Donc là, je suis contente. Et une recharge de pit, voilà, que j'avais plus celui-là, je l'avais usé. Donc voilà, voilà, pour les petits achats Créatitude. Et sinon, j'ai un gros colis qui est là. Il faut que monsieur me le monte. C'est pour pouvoir exposer, je crois, 240 marqueurs ou 280. 240 marqueurs à alcool. Donc, pour mes nouveaux achats, je vous mets en pause et je vous montre l'autre boîte. Donc là, je vous reprends. J'ai été chercher mon colis. Je cache mon adresse que je n'ai rien de pas avoir fait le montage. Ça fait 2 jours qu'il est arrivé et j'ai même pas pris le temps de l'ouvrir tellement j'étais pas trac. Tadam, tadam, tadam. Et voilà. Pour ceux qui s'en étaient pas doutés. Donc, j'ai profité d'une occasion. Alors je sais pas s'ils ont toute l'année à ce prix là sur Amazon, mais j'attendais de les recevoir parce que ça vient d'Amazon UK. Je voulais pas vous en parler sur le live, j'avais peur des frais de port, des trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais pas vous conseiller des choses que du coup je suis pas sûre. Donc je les ai pas encore testés, je les ai pas ouverts. Je vais les swatcher sans vous et je vous montrerai demain pour comparer avec les graphiques demain ou dimanche. En tout cas, il y a 36 couleurs, ça a l'air trop fun. Je suis assez contente. Donc, c'est le 7D. Alors, j'avais dit à Sandy, normalement, que je pensais qu'il y avait des doublons dans les 7 et je pense pas, en fait. Pardon pour l'info, mais je pense qu'il y a 5 sets et ils sont sans doublons, puisque si on les comptabilise, au total, ça fait 180. J'essaie d'ouvrir ça sans vous faire trop bouger et avec ma main. Hop. Alors. Donc, j'ai hâte de les swatcher. Ils se présentent comme ça. Ah, c'est cool! En fait, c'est déjà un présentoir. Ben, j'aurais su. Alors, attendez. Ouais, c'est que ça se met comme ça, je pense. Ouais, alors, c'est un présentoir vite fait. Ah oui, c'est... Tu m'as fait peur. Je suis en pyjama et Seb, il arrive et dit « on voit ton pyjama ». Mais en fait, c'est de l'autre côté. Ah oui, toi, on te voit, oui. Fais comme ça. Fais « Coucou, la star ». T'as du travail après. Non, non. Non, non. On voit ta brioche. On rentre le ventre. Donc non, ouais. Donc ouais, c'est pour caler les marqueurs en fait dedans, je pense. Pour les tenir debout. C'est des boîtes que je garderai peut-être si je veux les transporter. Voilà, mais mon chéri, il a un montage à faire, donc je sais pas, il travaille de nuit ce week-end. De nuit. Donc il va pas le faire là. Mais peut-être qu'il le fera. Il voulait le faire cet après-midi, mais j'ai dit non parce que j'avais la flemme de filmer. Donc là, j'ai 36 couleurs. J'ai hâte de tester pour les comparer au graphite. Et je l'ai payé ce 701 €. Alors que les autres sont entre 150 et ça va jusqu'à 200 €. Et du coup, j'ai fait une impasse par rapport à Créatitude qui ne l'avait pas du tout à ce prix-là. Et qui m'a dit, Alexis m'a clairement dit à ce prix-là, fonce, achète, hein, parce que je ne ferai jamais ce prix-là. Donc je suis assez contente. J'ai hâte de les tester. Forcément, c'est du haut de gamme. C'est des Copic Chow. Parce que les sketchs sont hors de prix, que comme j'ai déjà les graphites, je me suis dit, ben, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il faut recharger un peu plus souvent. Je vous ai pas montré la pointe, j'ai même pas regardé, mais parce qu'on n'a pas fini de manger. Hop, pointe biseautée. Je cherche mon nom. Donc ça, j'en ai pas. Je suis pas fan, mais pour les fonds, ça peut être sympa. Et pointe brush. Et là, je valide à 300%. Donc, bah, déjà, j'aime bien la forme du crayon.
C'est, ça se rapproche plus d'un feutre classique. Donc maintenant, à voir. Voilà, fallait qu'il touche. T'es pas fan. Non, je suis pas fan de ça. Bah, tu peux parler, hein. Oui, je savais. Il est mignon, hein. Il connaît tout. Il me dit, mais t'étais pas fan. Je crois qu'il y avait deux points de fil, moi. Non, non, non. Non, mais ça me dérange pas parce que je l'ai fait une heure sur les graphiques. Couper, là, non, tu vas pas les couper, non, non. T'étais mignon jusque là. Voilà. Non, je vais pas regarder pour l'instant. Donc, bah, je vais me faire ça. Je vais préparer tout le nuancier pour les 180 couleurs. Puisqu'il existe 180 chao, mais que maintenant je vais les collectionner. Je pense qu'il y a des chances, à moins que je n'aime pas. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le, je sais pas combien. C'est le 9, je crois. C'est les Black Colo 9. Et Seb, son rôle, ça va être de recharger. Je vous ai pas montré. Donc ça, c'est le petit pot, là, à presque 20 balles. 18 euros. Il a fait, pff, vous l'entendez pas, mais l'encre blanche. Donc ça, je vous montrerai demain pour celles qui n'ont pas vu le live. Sinon, vous regardez le dernier live sur le ciel, sur mon chibi. On a fait les finitions de l'océan avec ça et la plume. Incroyable. Mais j'essaierai de vous le remontrer demain sur du noir. Et mon chéri, je lui donne une pince à épiler. Et son but, ça va être de recharger tout à l'heure, s'il a le courage, ou demain. Et je filmerai, non, t'es pas au courant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans. Ah, ils sont malins quand même, hein. C'est grand. Et en fait, c'est rempli jusqu'à mon ongle, là. Sans mentir, hein. Regarde, Seb, il a horreur de ça. Alors, quand je vais lui montrer, il va pas revenir ses yeux. Non, la recharge, ça coûte 4 balles ou 5 balles. C'est pas ce qui est excessif, mais il est plein à moitié. Donc, je pense qu'il faut mettre 15 ou 20 gouttes. Ah oui, bon, 3 quarts, il est. Ouais, donc 3 quarts, ouais. Ouais. Bon, heureusement, sinon ça aurait été encore plus cher. Donc, ouais, voilà, on voit, c'est à l'étiquette, quoi. Donc, ça, son but, ça va être de recharger tout à l'heure ou demain. Donc, je pense que je lui ferai filmer ses mains. Il va se dabrouiller. Hein. Sur ce, je vous fais des bisous parce qu'il est 21h15 et que tout le monde m'attend. Je vous embrasse fort, je suis contente de débuter ce vlog avec vous. Et en parallèle, on va faire le room tour, donc tout va se chevaucher. Puisque vous aurez cette vidéo-là pour le prochain vlog. Et entre-temps, il faut que je fasse la vidéo rentrée Cali, rentrée colo de Cali. Avec le nouveau belette, le room tour et tout ça, tout ça. Mais vous, normalement, vous aurez déjà vu tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, foncez vite sur la chaîne. Remontez sur les playlists. L'autre, il est en train de faire bouger ma table. Il est en train de jouer avec le chien, il fait bouger ma table. Non, mais ça va pas, non? Tu finis, non? Non, mais t'as cru quoi, Spielberg? Il a pas refait le monde en un jour, hein? Ouais, non, mais je rêve. Genre. Voilà. Bref. C'est l'humour, au cas où. Non, c'est pas de l'humour. Si. Si. Au cas où, elle dit. Oui, on travaille sur la communication et la douceur familiale. On a tous des progrès à faire. Hein. Il y a bien du boulot. Hein. Ouais, il y en a qui ont plus de boulot que d'autres. Ouais, bref. Ouais. Voilà, ça aurait été une tranche de vie colo. Vous voyez ce que je vous avais promis. La Cali Famille revient un peu comme ça. J'aimerais bien vous filmer aussi quand Mélissa va se mettre. Elle est en train de me regarder. Vous pouvez pas. J'ai promis que je ne filme pas sa tête. Mais elle a fait des yeux. Elle est pas au courant ce qu'elle doit monter. Et je voudrais qu'ils aillent me chercher une nappe citrouille. Parce que celle-là, elle va aller à l'âge. Il met ça au bout de sa vie. J'aurais une nappe Halloween. J'ai décidé que je vais avoir des nappes kitsch. J'ai des belles nappes, hein, quand il y a des repas. Mais pour nous, voilà, c'est très pratique, ces nappes très moches. On a Halloween, les enfants, je pense. Bah là, même à l'automne, ouais, ça va être sympa, je pense. Ça va être rigolo. Enfin, peut-être pas avec des fantômes, mais avec des citrouilles et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, bon, sur ce, on s'en fout de la nappe. Je vous disais donc, pour le room tour, vous remontez sur la playlist, direction la vidéo, je vais l'appeler sûrement la rentrée colo de Cali 2024-2025. Et le précédent vlog, donc le Blabla Colo 8, qui clôture août 2024 et qui vous annonce justement les petits changements, etc. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard pour le prochain rush. Allez, alors coucou. Je vous reprends, il est 22h et on attend, on va regarder les 50 000. Elle attend désespérément, mais on est des gosses. Alors, Seb, il a dit, il veut bien me monter le truc. Et genre, il veut faire le professionnel. Et alors, du coup, en amont, on dit, attends, on met ça comment? Et l'autre truc là, 20 balles, j'en veux pas. Mais ça, c'est combien? Alors ça, c'est 5 euros la recharge, je crois. Ouais. À peu près 4-5, je regarde jamais les tickets. C'est mieux que l'autre truc là. Voilà. Et vas-y, montre-nous comment on fait maintenant. Bon, c'est simple. Faut que tu parles fort, hein, parce que le micro... Il suffit d'ouvrir le petit flacon, là. Hein, bon, pour l'instant, ça va. Je sais faire. Après, bien sûr, c'est pas le côté que je voulais. Toc. Ben, c'est pas ce côté-là, du coup. Hein. Donc, c'était pour faire voir. Non, mais pour celles qui connaissent pas, je leur parce qu'on a fait ça tous les jours, nous. Hop. J'enlève la petite pince. La petite mine. Pas avec trop, une pince. Faut pas trop que je la serre parce que je la mets là. Non, pose-la là. Tu vas boire tout l'alcool qui est dessus, sinon. Je vais boire tout l'alcool, moi.
Ok, je la pose là. Et là, je mets combien? 15 gouttes. Ouais, je pense. Hein. Allez, alors je sais pas comment que ça coule. Mais je sais pas, t'as fait tous les jours, toi. Comment tu vois 15 gouttes? Ouais, ben, je compte. Compte à haute voix. 8. Il met à côté, 10, je vois. 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, je mets à côté. Tu racontes. 20, non? 20, ça passe pas? Il est en train de renifler. Tiens, à côté. Ah, bah attends. Attends, tiens, Spielberg, il bouge la table. Si je tremble, je vais tout mettre à côté. Hein. Ah ouais, bah tiens. C'est ton produit, hein, c'est ton matériel. Hein, moi, hein. Sinon, je mets le truc dedans et je peux... Mais non. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça va dedans. Non, mais il n'y a pas un niveau, là. On voit rien. Travers, tes crayons à la noix, là. 3, 4, 5, allez, on va dire c'est bon, 20. Hein. Bon, là, ça fait 20, un gros 20. Hein. Là, je sais pas si... Ils ont dû le faire transparent avec une petite jauge. Tu veux leur écrire? Les crayons, ils sont pas assez chers. En plus, regarde, ça s'efface en plus dessus, hein, le logo. Hein, c'est pas quel si... côté de mine je te mets dedans? Bah, mets le bleu dehors. Le bleu dehors. Voilà. Voilà, je prends avec mon doigt déjà. Ouais, tu salis toute ma mine avec ton doigt. J'ai les doigts propres, hein, Bah non. Et là, j'enfonce. Enfin, j'essaye. Voilà. Et après, il va nous faire la même chose. Bah, encore un peu quand même. Comme ça? Ouais, pas plus, je pense pas. Faut pas que ça te touche le bouchon, quoi. Hop. Ah, ça, je sais pas, moi. Sinon j'écrase. Voilà, c'est trop là. C'est trop là. Bon, c'est sûr. Bref. C'est comme ça. C'est trop. Ouais, c'est bon. Attends, voilà, ouais, il va nous faire la deuxième du coup. Elle est faite. Hors cam, hein, parce que sinon ça va durer 15 ans. Mais en tout cas, on voilà. Remercie. Bon, en off, je ferai un débriefing, hein, parce que. Moi aussi. Allez, au suivant. En tout cas, on te remercie, Seb, pour le petit con particulier. Ça marche. Recherche. Au cas où, hein, si vous avez besoin, je suis là. Voilà, c'est ça. Hein, t'es prêt pour le home tour. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on fait des bisous, belle soirée. Bye bye. J'ai pas appuyé sur le bouton. Non, bon, bah, du coup, on est toujours vendredi 6. Et il est 23h. Et du coup, ils veulent déballer quand même. Mais Seb, il me dit, j'espère que c'est entier parce que vu l'état du carton, alors j'avais pas réfléchi. Mais ça me fait pas rigoler. Vas-y. Allez, on live. Hein. Allez, on live. Parce qu'en plus, moi, j'ai prévu de faire mon color sharp, mais je peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans? Voilà, parce que c'est un carton, deux cartons, ah, voilà. Un carton, deux cartons. Tout ça, ah, pour c'est ça. C'est du Lego, dis-donc, on dirait du Lego. On va encore directement là-dedans. J'espère qu'il y a les vis, j'espère qu'il y a... Allez. Il y a tout, hein. Ça va. Tu veux le mettre sur la table, peut-être, je m'en pose, et puis attends. Attendez, je vous reprends. Bon, ben allez, on va déballer. Faut parler fort. Hein. Le bébé. J'espère qu'il y a une outil, hein. Bon, après, son outil. Bah, j'espère qu'il y a tous les morceaux, surtout. On n'est pas de nœuds, quand même. Ouais, j'ai cru que j'ai tombé de la table. Oui, je sais. Ben, j'ai cru que j'ai tombé de la table, j'ai fait qu'il tourne, donc j'ai bougé, en fait. Un petit tournevis Facom. Non, je rigole. Enfin, pour ceux qui connaissent. Je crois vraiment qu'on connaît Facom, t'es sérieux? C'est pas du Facom. C'est du Verlan, Facom. Comme ça, non, c'est pas, c'est quoi? Non, c'est une marque. C'est une marque tournevis. T'as eu, moi, je savais. Ah, même toi, tu savais, ouais. De bricolage, de matériel. Je suis embêté parce que moi, j'ai prévu de faire petit tournevis. Mon microscopique. Wask. T'enlèves tout ça, Mémel? Moi, je l'avais chopé sur. Qu'est-ce que tu dis? Je parle tout seul. Je cherche mon nuancé qui est sur mon téléphone, mais comme on est en train de filmer avec mon téléphone. Okay. Hop, voilà, il y a plusieurs petites parties. C'est chiant. Ça commence. Eh, vous savez qu'on aurait plusieurs pu faire le. Marchés. On aurait voilà, pu. Mais, moi, il me faut une notice, tu veux que je montre ça comment, moi. Il y a pas de. Attends, on va rigoler en même temps. Attendez. J'arrive. D'accord, un petit morceau là. Des petits morceaux là partout. Oh. Il y a 50 000 petits morceaux. Bon. Oh. Qu'est-ce qui arrive, la mère Michel là-bas? C'est la mère Michel qui a perdu. Non, on m'entend pas. Si, on m'entend. Hop, et ça. Attention. Allez, c'est parti, vite. Ding. T'as la notice? Non, j'ai pas la notice. Ça vous dit, on enregistre en même temps le tag qui de nous trois. Vas-y. Là, tout de suite. Bah, en même temps. Allez. C'est marrant. Ah oui.
Attention. Ah oui, moi aussi, il faut que je tape. Attends. Oui. Attention. On fait un tag qui donne 3. Alors, on a fait c'est un tag que la Cali Family a déjà sélectionné. Il existe plein de questions pour les amis, les amours, les voilà. Et nous, on a fait un mix de questions. Et le premier qui trouve, il tape. Et j'avais prévu de découper les... Ah, peut-être que je les découpe avant, non? Il n'y a pas besoin. Non? Ouais. Oh, tu choisis un numéro de question, comme ça je le lis. Bon. On va pas retenir. D'accord. Bon, bref, elle a rien compris, on est déjà mal parti. Allez, première question. Mais tu fais dans l'ordre. D'accord, c'est moi qui les pose alors. Bah vas-y, pose. Ok. Attention, qui de nous trois est le plus bordélique? Oh! Maman. C'est toi! Non, c'est toi! Maman! Non! Ah non, pardon, Mélissa. Oui! Non, arrange bien parce qu'elle a une belle chambre, tout est ouais. Rien à redire. Mais des fois, laisse traîner. Ah, si t'es bordélique. Mais toi aussi. Non. Mais non, là, c'est en cours de tournage. Ah, papa. On se disperse pas, là. Bon, deuxième question. Attends, parce que moi, je peux pas taper. Hein. Vous êtes des marrants, vous. Ouais, ouais, comme ça, là, c'est bien. Attention, qui de nous trois est le plus drôle? Je sais pas. Moi. Non. Maman quand elle veut. C'est-à-dire? Non. Mais quand elle veut pas, elle l'est pas. Ah ouais, d'accord. Allez, troisième question. Qui de nous trois est le plus bavard? Maman. Oh. Maman. Qui de nous trois est le plus mature? Papa. Maman. C'est ça. Il en faut un pour sauver les meubles. Qui de nous trois est le plus audacieux? Ah mais je sais pas. C'est pas ce que ça veut dire. Mais si, 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 je sais, mais moi je vais juste... Ouais, je dirais maman, moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Qui de nous trois est le plus introverti? Mélissa. Oui. Mon père. Ah, j'ai une notice. Ah, alléluia. Ah, regardez. J'espère qu'elle est pas en chinois, hein. J'ai rien contre les Chinois. En fait, je crois que ce tag-là, en fait, pour ceux qui vont vouloir le suivre... Elle était cachée, hein, la notice. Je suis déjà mort de rire, je suis épuisé. Allez, suivante. Ouais, bon, suivant, bref. Qui de nous trois oublie les événements importants? Maman. Ouais, qui de nous trois oublie où il a garé sa voiture? Maman. Ouais, faut-il encore que j'arrive à la garer? Oui, déjà. Qui de... Il faut-il encore qu'elle arrive à la conduire pour aller se garer? Ça va, stop. Question suivante. Qui de nous trois oublie les noms des gens? Maman. Moi. Oui, papa. Papa, il salue ses collègues. Il parle avec les gens dans la rue, il sait même pas qui c'est. Et en fait, au début, je l'emboucanais. C'est-à-dire que je dis, ouais, tu parles à des gens et tu me présentes même pas. T'as honte de moi et tout, mais pendant longtemps. Je sais pas comment ça s'appelle. Et au bout de plusieurs années, il me dit, mais non, mais je sais pas c'est qui. Je connais plein de monde, plein de monde. Mais je connais trois prénoms, c'est tout. Voilà. Qui de nous trois lit le plus? Mélissa. Oui, moi. Oui, Mélissa. Qui de nous trois fait plus d'exercice et de sport? Moi. Non. Si, avec ses cheveux lissés et tout, c'est moi. Ah, bah, oui, t'as mais. Ouais, voilà. Si, tu aurais dû rajouter à la maison, là, parce que sinon, ouais, voilà. Et moi aussi, je fais beaucoup d'exercices avec mes doigts. Ah, oui, de crayon. Bon, on va dire papa. D'accord. Qui de nous trois se douche le plus? Moi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est elle. Bah, mais par attention, quand elle rentre dans la douche, on sait pas quand elle ressort. On en a le temps. Ah, ouais, c'est chaud. Qui de nous trois mange le plus? Maman. Ok. Vous voulez connaître mon surnom que Seb m'a donné parce que Seb c'est un amour, il est romantique et tout. Ouais, c'est ça. Parce que demain mon meuble il est pas monté. C'est quoi le surnom qu'il a donné papa maman? T'as vu ce tournevis? Sidi Mohamed Bouftou. Voilà. Vous avez le droit. Sidi Mohamed Bouftou, c'est moi. Voilà. On est en toute intimité, hein, avec cette super belle nappe. Qui de nous trois mange quand il s'ennuie? Maman. Non, mais elle est maman. Braquage. Ouais, quand papa il embauche pour partir la nuit, braquage. On emmène tout le placard dans le lit. Comme style, moi ce soir je vous des cacahuètes, je regarde, bah il n'y en a plus. Je ne sais pas, oui. Mais oui, ça fait longtemps, t'en avais pas acheté. Oui, oui, d'abord. C'est normal. Voilà. Qui de nous trois est accro aux sucreries? Maman. Je dirais soit Mélissa, soit maman, mais plus maman. C'est beaucoup maman, je trouve. Hein. Oui. Qui de nous trois est accro au café? Maman. Maman. Il parle dans la sonnette. C'est le micro, il est dans le téléphone. Non, il est là. Allô, allô.
J'en peux plus. Ah, ouais, mais c'est pas grave, on me râle dessus de ton crâne. Ah, j'ai chaud. Ah, vous m'avez donné chaud, là. Qui de nous trois est accro au fast-food? Papa. Oui, papa. Ah ouais, kebab et kebab et tacos. Non, papa et maman, quand même. Voilà. Non, non. Ah, parce que c'est moi qui en parle et tout, mais c'est la première à manger. Hein. C'est vrai. Et elle a mangé plus que moi. C'est vrai. Oh mince. Il a toujours rien monté, hein, je dis comme ça. Non, mais je suis concentré. Qui de nous trois est accro aux réseaux sociaux? Maman. Maman. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Qui de nous trois garde les secrets? Moi. C'est pas vrai, ça, c'est moi. Maman, moi aussi. Non, papa, si. Ah oui, papa, il garde les secrets, mais il balance les siens. En fait, il est très pas doué. Il garde le secret des autres, mais les siens, il sait pas les garder. C'est vrai, on va dire papa, allez. Qui de nous trois s'inquiète le plus? Maman. Tu veux les lire? Mmh, ouais. J'en suis là. Parle assez fort, hein, parce que t'as une petite voix fluette, ou approche-toi du micro. Qui de nous trois pleure le plus? Ah. Maman. Ouais. Ouais. Qui de nous trois se met beaucoup en colère? Maman. Non, pas du tout. Si. Maman. En tout en douceur, il a fait comme ça, tout c'est charmant. Qui de nous trois s'endort presque toujours devant la télé? Ah bah papa. Papa. Eh oui. Je pense qu'ils vont boycotter mon vlog avec le bruit de la sonnette. Oui, il y a moyen. Qui de nous trois s'est endormi au cinéma? Papa. Ah bah. Oh, Moi, la dernière, dernièrement, c'était oui, Mélissa. Oui, mais papa, il s'est plus elle, endormi. Elle regarde les 10 premières minutes et si. Après, elle se réveille pour les 10 dernières minutes. Elle fait genre, elle a regardé le film, elle fait arrête. Ouais, ça a été. Moi aussi, papa, il s'est beaucoup plus endormi que mais moi. Oui, mais c'est normal, on m'emmène voir des films cucu. Moi, je ah, vois. Des voilà. Films cucu, ouais, là, t'as dit. Non, tu es très bien. Oui, elle est très bien. C'est toi qui es cucu. Sauf le milieu. Ah, les batailles de dormir au cinéma. Enfin, en tout cas, vous aurez compris qu'on paye des places de cinéma, on est riche. Qui de nous trois peut rester coincé dans un ascenseur? Maman. Ah, je crois que tu veux t'aller dire... Maman. Maman. Elle n'a pas de chance, elle. Petit Richard. Qui de nous trois pourrait tomber dans les escaliers? Maman. Maman. Moi, je buzz même pas. Elle court, déjà, elle sait même pas marcher. Oui, en plus, quand elle descend les escaliers, elle n'utilise pas sa canne, elle regarde son téléphone et elle regarde pas où elle marche. Lady voilà. Danbury, vraiment. Qui de nous trois a peur de regarder des films d'horreur? Ah. Ma maman. Maman. Ouais, il m'emmène au cinéma voir des films. Elle fait peur à tout le monde. Le film n'est même pas commencé à écrire. Mais vraiment, et dans toute la salle, tout le monde me regarde, mais vraiment. Et un jour, il y a même l'ouvreur, hein, le mec, en sortant, il me dit, mais madame, faut pas venir regarder des films comme ça, pourquoi vous venez regarder des films comme ça, alors? Mais même devant des Disney, même devant, genre Vampire Diary, il y a le générique, je crie déjà, quoi. C'est vrai, ça. C'est voilà, mais ouais, c'est voilà. Qui de nous trois pourrait manger un insecte? Moi. Papa. Ah non, papa. Papa. Si, papa. Ah non. Non, papa, il a toujours dit dans Koh-Lanta, il mange pas les insectes. Moi, je peux. Non. Moi, je le ferai. Ouais, ça dépend, hein, s'il faut que... Migal. Ah si, hein, moi, tu me dis, même 1000 euros sur la table. Tu me dis une boîte d'Holbein, je mange une migale, je mange ma migale, ah ouais. Non. Ah si. Ah, moi, une boîte d'Holbein, je la mange pas, la migale. Ah non, c'est bon. Qui de nous trois pourrait manger quelque chose de vivant? Moi. Une question. Non. Un insecte, il peut être mort. Quelque chose de vivant. Est-ce que tu pourrais... Tu sais, dans Koh-Lanta, t'as des insectes vivants où tu lui coupes la tête, là, comme ça, et... De toute façon, moi, c'est aucun des deux. Non, parce que j'ai autre chose à manger. Hein. Qui de nous trois déteste la pluie? Papa. Ah, papa, ouais, parce que... Il... Ça m'énerve. C'est le seul qui a pas de cheveux, le gars, quoi. Il y a trois gouttes dehors. Papa. Il y a trois gouttes dehors, quoi, le type. Ouais, il pleut. Attends, je vous passe les gros mots, hein. Je vous passe les gros mots qu'il dit. Nous, avec Mélissa, on est super... Et on est mort de rire. Mais vraiment, parce que le temps qu'il ouvre la voiture et tout. Ouais, bah voilà. Donc, voilà. C'est... Il a peur pour son brushing. Du coup, question suivante. Qui de nous trois aime l'été? Bah, papa. Non, il aime pas l'été. Ah si, j'adore l'été. Moi. Arrête, toi, quand il fait chaud, t'aimes l'été? Ah bah, je préfère l'été que l'hiver, si, largement. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ok, ouais, c'est pas moi. Qui de nous trois aime le parachutisme? Moi. Ils veulent pas me le payer encore. Moi, j'adore aussi. Moi, je veux le faire, parce que pour tes 18 ans. Mais pour tes 18 ans, papa, il nous paye à tous les deux. On fait le saut au parachute pour marquer ta... Ouais, je vais vendre des crayons, alors. Laisse mes crayons tranquilles, toi, vas-y. Qui de nous trois aime les activités nautiques? Moi. Et moi. Ouais. Et Mélissa. Et pas maman. Qui de nous trois échouerait à l'examen de conduite? Toi. Maman. Maman. C'est pas vrai.
Ah, c'est vrai. Ah ouais. J'ai le permis, hein. J'ai mes 12 points. Bah tiens, dans, la prochaine question. Bonus. Un paquet de bonus. Qui échouera un test de mathématiques? Ah. Je suis très bonne pour les comptes. Très, très, très bonne. Qui des deux trois pourrait devenir millionnaire? Mélissa. Ouais, pas moi. Ouais. Attends, parenthèse, pourquoi pas toi? Ça parce, quoi parce qu'il a épousé toi. Oh, voilà. Ben, super. Voilà. Et moi, oui. Ouais. Et non, Mélissa, ouais. Mélissa, elle a une grande faculté. Et elle aime les, l'argent. Bon, il n'y a pas de honte. Ouais. Donc, oui, elle mettrait tout en place pour être millionnaire, c'est sûr. Qui de nous trois posséderait une Lamborghini? Non, toi. Moi. Ouais, Mélissa. Moi, je veux tout. Moi. Ouais. C'est une chanson, ça. C'est trop jeune. Je vais pas le dire, sinon on va dire qu'on est des vieux. Si, je connais. C'est quoi? Tu veux chanter? Non, je veux pas chanter. C'est Gilbert Montagné, tu connais, je veux tout. Bah, oui. Non, je sais plus. Et je veux pas chanter, non, je chante pas. Vas-y, vas-y. Qui de nous trois pourrait posséder une maison sur la plage? Mélissa, oh. Parce que nous, on est trop maniaque pour ça. Ouais, parce que... On est sable partout, ouais. Et sinon, on aurait des problèmes. Dans les cahiers moi, de colo. Moi, j'aurais une femme de ménage. Oui, voilà. Elle va être millionnaire, hein, c'est sûr. Qui de nous trois pourrait créer une petite entreprise? Moi. Moi, je suis assez... en auto-entrepreneur, toute seule, sans salarié, sans... toute seule, ouais. Ouais. C'est ce que je... Ouais, j'aimerais... Ouais, toute seule. Non, mais c'est moi, je t'ai fait, hein. Non mais oui c'est toi. Non mais la question pour répondre à la question. Ouais. Tu vois? Je veux pas m'en non toi t'es ma community manager et t'es mon mini maker et ton assistante et ta photographe et ta montrice des fois. C'est ça. Ouais. Ma montrice. Oui. T'es monteuse non? Oui. C'est, c'est ça. Oui non mais c'est la question c'est qui pourrait créer une entreprise. On n'a pas créé d'entreprise pour l'instant. Bon, allez, on a créé la Cali Family. Le jour il y aura écrit Cali Family SARL, tu seras la PDG avec maman coprésidente 50-50. Ouais, et parce que on sera à moins société anonyme à responsabilité limitée. Oui, bon, bref. Moins de 50 salariés et lui sera c'est pas grave. Il sera le chauffeur de la Lamborghini. Qui de nous trois pourrait mettre fin à la faim dans le monde? Moi. Non, tu mangerais tout. Oh, c'est pas vrai celle-là. Seb, il a monté deux planches. On n'est pas couché. Bon, je vais pas vous expliquer, mais déjà ça correspond pas. Alors, c'est un truc. Pourtant, c'est écrit en anglais aujourd'hui. Ouais, montre. Ouais, pas de préjugés. Hein. Ça a l'air simple, hein, franchement. Oui, c'est toutes les mêmes pièces. Une fois que t'as enquis ça pour le défaire, après, j'arrache tout. Hein, non, mais bon, ça va. Allez, vas-y, question suivante. Qui de nous trois pourrait devenir vice-président? Mélissa. Non, moi, c'est elle la présidente. Ah. Moi, ah oui, dans voilà, la maison, oui. Non. Non, si, non. Ah, moi, j'ai dit, même si on achetait un appartement, je mets toi ton nom. Allez, question suivante. Ah, allez, papa, sors le chèque. Flouz, papa. Que dalle. Oh, t'as vu? Qui c'est qui dit t'aime? Elle va prendre une planche, elle va t'assommer. Qui de nous trois pourrait devenir conférencier motivateur? C'est quoi ça déjà? Je sais pas. Mais si, je vous ai conférencier motivateur, c'est quelqu'un qui dans un amphithéâtre va motiver les troupes, va lancer un concept et va dire mais si on peut y arriver, on y croit. On peut y arriver. Et on motive les gens et OK. Maman. Ouais, je pense moi. Je crois que j'ai confondu la chanson de tout à l'heure. C'est quoi? Sait tout. Ah ouais. C'est quoi la chanson que t'as dit? Je veux tout de Gilbert Montagné. Chante. Si je vais vous la mettre et je vais chanter, mais pas longtemps sinon ma vidéo va être censurée. Attends. Attendez, hein, deux secondes, je cherche. Hein. Bon, mais il monte. Hein. On filme pas sa tête. Hein. Alors non, attends, c'est pas mon téléphone déjà. Lui, c'est bazar sur son téléphone. Là, c'est en bas. Attends. Bazar, tout le bazar. En plus, j'ai téléchargé un truc sur son truc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est sur le portail, lui? C'est l'accueil. Tu cliques là. Ouais, mais pourquoi il est pas sur Chrome? Mais c'est Chrome. C'est pas sa page d'accueil. Mais c'est pas sa page d'accueil, ça. Non, ça fait sûrement la vidéo. D'accord, bon, allez, on fait la vidéo, pardon. Qui râle le plus, on l'a dit tout à l'heure. Oh là là, mais non, c'est que toi, t'as fait n'importe quoi de Gilbert Montagné. C'est ton bazar, là, d'accord, alors tais-toi. Attends, on aura fait même pas toutes les questions. Hein. Ouais, moi je travaille. Alors, écoutez. Mais non, mais fais les paroles, juste tu chantes. Non, non, tu préfères avoir les paroles. C'est qui connaît Messi? Ouais, je connais. Attends. Mais il est droit d'auteur, tu penses? Ah ouais, attends. Mais éteins. Voilà, je baisse. Attendez, hein. J'attends le début.
Je vis mes oreilles là. Tu penses? Attends, chut, j'écoute les paroles. Donne-moi des... Oh là là. Donne... Attends, il me faut les paroles, c'est pas possible. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donne-moi tout ce qui n'est pas beau. Donne-moi. Ouais, donne-moi. Non mais c'est bon, t'inquiète. Donne-moi tout ce qui reste à aimer dans ce monde-là. Oui, je veux tout. Bon, stop là. Il y a des voisins là. C'est elle, elle m'a dit de chanter. Voilà, j'ai question suivante. Qui donne 3 pour devenir un chanteur célèbre? Pas maman. Pas maman, non. Ah. Donne-nous 3, je vois pas qui. En fait. Si, peut-être plus moi. Non. Non, tu chantes le mieux, on va dire. Donne-nous 3. Ça, c'est sa fierté. Eh, mais je chante bien, moi. Oui. Allez, qui donne 3 pour devenir un athlète professionnel? Pas moi. Un athlète? Ouais. Non, pas toi non plus. Non, pas moi non plus, parce que faut. Non. Moi, ça saoulerait qu'on te dit vas-y, cours, machin, non, mange trois salades. Mange pas de tacos, c'est pas ça. Non, ouais. Ouais, il faut en fait, tacos. Ne... Si, moi j'aimerais bien. Ouais, d'accord. Qui donne 3 pour devenir blogueur de voyage? Ah, toi. Mais dis ça. Je connais. Hein? Je veux sonner. Ah oui. Toi. Okay. ça m'a fatigué de chanter. Qui de nous 3 pourrait devenir un auteur à succès? Ah, moi. Ah si, si je devais raconter toutes mes péripéties, je pourrais faire 10 tomes. Ça serait autant de succès qu'Harry Potter, je suis sûre. Ok. Oui, et je sais écrire bien. Ouais. Moi aussi j'écris bien. Non, il y a les mots, tu comprends pas tous les mots. Si, bon, j'avance moi, en même temps. Ah ouais, vas-y. On a 19 minutes. Allez, Kiki. Qui est qui? Qui de nous 3 pourrait être un terrible détective? Papa. Ouais, vraiment. Alors, il est mauvais, hein. Un détective, il est mauvais. Un terrible. Un bon ou un terrible? Non, terrible. Pas terrible? Nul. Ouais, nul. T'es pas chier, toi? Alors, bah, t'es pas discret, hein. Déjà, le temps que tu percutes, le temps que tu nous entendais. Bon, allez, moi alors. Qui de nous 3 est un mauvais photographe? Papa. Il met toujours son doigt sur le voilà, et c'est-à-dire qu'il fait des photos aussi belles que moi je chante. Ben, on, je prends voilà. La photo de mon doigt. Qui de nous 3 pourrait être un terrible secrétaire à la défense? Papa. Parce que lui, si on lui dit écoute. Ah, moi j'appuie sur le bouton rouge, je lance la bombe atomique. Hein. Voilà. C'est même pas j'ai fini la phrase, il sait pas qui l'attaque, c'est le bouton rouge. Qui de nous 3 pourrait être un affreux ambassadeur des Nations Unies? Papa. Mais chacun sa merde. Voilà. Qui de nous 3 serait une mauvaise actrice? Oh, Mélissa. Non. C'est faux. Ah si, Mélissa, c'est sur son visage, c'est marqué. Pas du tout. C'est-à-dire, non, sur son visage. Si, je te promets, des fois, je sais bien faire et t'as même pas remarqué. Oui, tellement c'est bien fait, j'ai pas remarqué. Bah, des fois, oui. Tu fais semblant d'être toi, c'est ça? Oui, voilà. Elle est en mode vexée, là. T'as lu les questions avant, en plus. Non, j'ai pas lu les questions. Aïe, aïe. Qui de nous 3 sera un mauvais patron? Maman. Et ouais. Non, tu vas peut-être moi. Oh non, moi je serai. Non, toi t'es cool, toi. Mais non, un mauvais patron. Oui, ouais, mais moi je serai un mauvais patron dans le sens où. Non, je serais vraiment. Elle, ouais. Elle serait... Ah, maman, c'est une peau de vache. Hein. Voilà. Moi je serais trop gentil, donc c'est quoi mieux. Non, moi je serais cool, enfin, fais ton taf et ça se passe bien. Moi comme patron que maman. Ah ouais, bah tout va bien. Ah, je préfère m'avoir moi aussi comme patron. Qui d'une fois sera un mauvais flic? Papa. Ah ouais. Ah, je serais un mauvais flic. Ouais, toi tu laisserais passer tout le monde, toi t'as un gilet jaune. Ah non, moi je voyais pas ça comme ça, ma maman. C'est comme le truc de. Ah oui, mauvais flic, ce serait moi. Oui, voilà. Genre, moi t'as 0,3 grammes, je t'enlève le permis, je te mets 10 ans de prison. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Qui donne 3 pour être un tyran? Maman. Ah, mais maman. Je. Maman. Et dernière question, qui donne 3 pourrait finir en prison? Maman. Sans aucun maman. Problème. Ouais, vraiment. Parce qu'elle s'énerve des fois et c'est chaud. Ah, vraiment. Voilà, je sais plus qui m'a dit dans ma bulle, on est bien, c'est une bulle détente et tout. Ouais, il y a le coup de... Et qui de nous 3 finit le rangement? Eh ben, c'est moi. Poil pile. Vas-y, tu vas nous montrer, tu peux le redresser. Poil pile, on a fini la première partie du tag, mais on vous prend une revanche. Waouh. Et c'est pas du plastique, c'est pas du polystyrène. Ouais, il est beau gosse. C'est où la poussière reste dessus, quoi. Ouais. Ouais. Non, tu souffles là-dedans. Tu prends le sèche-cheveux, tu souffles. Ah bah, tu vas le faire ça.
Regarde, il fait bien là-bas, Tony Danza. Bon, les petites vis. Bon, bah voilà, bah écoutez. Avec mon gros tournevis. Oui, pourquoi? Il n'a pas de cheveux. Oh là là. Elle a dit tu peux pas être Tony Danza parce que t'as pas de cheveux. Bah, j'ai des cheveux, regarde. Enfin voilà, mais écoutez, vous aurez monté le petit meuble avec nous et en fait on aura improvisé un tag. Du coup on aura passé toute la soirée ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Merci à la Cali Family. Merci Mélissa. Merci Seb. Ben t'auras pas été rapide, hein, parce que heureusement que c'est pas un meuble que t'as à monter, parce que je pense que. Alors, si je suis rapide, hein, Marc, il est fini, donc je vais le démonter, tu vas voir son bazar là. Enfin voilà, bah, vous aurez une belle tranche de vie tag. On espère que ça vous aura plu. Bah, c'était un peu un tag colo parce que du coup il montait cette fameuse armoire. Tu peux compter, moi qui suis nulle en maths, combien on peut mettre de marqueurs, Mélissa? Moi je vais faire 1, 2, 3, 4, bah, 5 carrés. Non, 1, 2, 5 carrés déjà, on est mal. 6, 7, 8, 13, 14, 15, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Bah, 15 fois 16. Ça fait combien? Calculette! Ah non! 15 fois 16? T'as eu ton brevet avec mon son très bien? Attends, réfléchis. 15 fois 16, alors. 15 fois 16, tu sais faire? Toi, c'est quoi l'infois? Tu m'avais dit. Temps de tête de 240. Oh, il avait triché! Eh, regardez la calculatrice! Attends, je rêve! et sachant que normalement, Seb, il va vous montrer, on peut enlever une. Voilà. Wow. Non, mais je trouvais pas le mot. Mais ça peut être sur le côté, ça peut être n'importe où. Voilà. Wow. Et donc, du coup, vous pouvez très bien mettre des trucs plus larges, vous pouvez vous en servir pour autre chose. À la verticale. Que à la verticale, il dit chef. Si tu veux enlever une horizontale, faut enlever toute celle-là. Ouais, il faut aller l'enlever avant, quoi. Enfin, vous aurez compris, c'est modulable. Oui, c'est modulable, ça s'enlève avant. Voilà. Mais, bah, écoutez, moi, je suis contente. En plus, là, ça s'est monté tout seul. Je visse avec mon gros donc, tournevis. Facom. Voilà, il n'y a pas de jeu de mots, il est tellement énorme, mes tournevis, mon Dieu. En tout cas, on vous remercie, on a 25 minutes, on va s'arrêter là, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous invite à le reprendre. Du coup, dans la bagarre, je vais taguer à l'arrache, c'était pas prévu, quelqu'un peut noter. Non, à l'arrache, c'est personne, oh, arrête-toi. Je vais taguer, tiens, Adécolo, et je vais taguer Panoramimix, parce qu'avec Monsieur Panoramimix, je pense qu'en tant que jeune couple, ils peuvent nous le faire bien, ça peut être très sympa. Je vais taguer également les coloriages de framboise. Je vais taguer Émilie Colo. Et je vais taguer qui d'autre? Miss Pondy. Ouais, Miss Pondy, pas que. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, non. Et je vais taguer, bah c'est déjà bien, on a déjà 5 personnes. Si vous pouvez faire voyager le tag, ça peut être super cool. Vous pouvez le faire avec votre mari, votre meilleur ami, vos enfants, pourquoi pas. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça peut être très sympa, très rigolo de se connaître aussi un petit peu en dehors et de rigoler. En tout cas, ben, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. Pour mes followers, n'hésitez pas à répondre en commentaire à la vidéo. Vous faites comme d'hab, hein. Vous mettez vos réponses 1, 2, 3, 4, 5, vous listez et je vous répondrai volontiers. Nous on adore lire vos réponses avec la Cali Family et les questions seront de toute façon dans le descriptif de vidéo. Sur ce, ben moi je vous fais des gros bisous et la Cali Family aussi, non? Bisous, bisous. Voilà, et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 9 septembre. Je me suis tâtée, je tourne, je tourne pas. Du coup, en fait, j'ai passé 2 heures à préparer tous mes combos. Alors, je vais vous montrer, je bouge un petit peu. Hop, ma pochette pour mon schtroumpf, parce que je vais enfin entamer mon schtroumpf. Je vais faire une pause dans les mystères portraits. Donc j'ai tout préparé, mes combos de couleurs, ma petite trousse où mon tome y rentre dedans. Cette trousse elle est super parce que je peux mettre mes 300 feutres, je vous avais dit, Lyra et Tombeau, mes feutres à eau, enfin mes 300, non il n'y en a pas 300 puisqu'il y en a 108 dans une collection et l'autre je crois qu'il y en a un peu moins en tout, ça fait, allez je dirais, bah attendez je vais vous dire tout de suite. Alors, les feutres et Tombeau, on a dit qu'il y en a 108 normalement. Et les Lyra, il y en a, j'ai pas noté.
Ah, bah, tiens, une blague. Ah, si, 80. 80 liras et 108 normalement. Ah, c'est ça. Il doit y avoir 80 liras et 108 tombeaux. Donc, du coup, ben, ça fait 188. Donc, dans cette trousse, on peut en mettre un peu plus. Mais voilà, je mets mon calepin. Le calepin, si j'ai pas fait mes combos, mon cahier à combos. Parce qu'après, je détache les fiches. Comme j'ai fait, comme ça, j'ai juste deux feuilles. Donc, voilà. Et puis, j'ai dit à Seb, tu fais pas des pompes, tu fais pas des pompes. Il m'a dit non. Et en deçà de nuit, il a fait les courses et tout. Donc, j'ai dit, bon, je tourne pas. Après, j'ai dit, bah, si, quand même. On va avancer un petit peu. Donc là, pour vous montrer, ça, ce sont mes graphites que j'avais en marqueur à alcool. Donc, j'ai pas swatché encore, je vous ai attendu. Et là, le Copic Chow. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus petit. Celui-là, il est triangulaire. Celui-là est rond. À la main, ça fait drôle, du coup. Mais on est entre un feutre à eau et un marqueur à alcool. Au niveau des pointes. Donc là, on est sur le graphite. Je dirais... pour moi, que la pointe brush du Copic est de meilleure qualité. J'aime beaucoup, 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 beaucoup la pointe. Et là, vous voyez, pour vous montrer que le mélange que je fais, c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. J'avais un peu, pas galéré, mais le mélange entre les caméléons, par exemple, et les graphites, ternissait le graphite. Là, pas du tout. Franchement, le Copic... c'est top, hein. Après je suis pas surprise auprès du Copic, j'ai envie de vous dire. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous éteindre cette lumière là, peut-être. Je suis pas sûre que ce soit mieux. Non, c'est pas mieux. C'est pas du tout mieux. Par contre, au niveau du reflet, ce sera peut-être mieux si je vous le penche comme ça, en lumière indirecte. Donc là, on est sur un mélange. Hop, je trafique un peu ma lumière pour que vous puissiez être bien. Ouais, on n'est pas trop mal. Graphite. Non, Copic, graphite. Donc franchement, rien à redire. Au niveau du orange, pour voir la luminosité, vous voyez. Là, on est sur le graphite. Je ne sais pas si j'ai un orange là. Ce que j'ai fait tout à l'heure, les mélanges pour voir. Hop. Ouais, il n'y a pas grand chose à. Il n'y a pas grand chose à redire. Franchement. J'ai pas grand chose à redire sur ces feutres là, je regrette pas. Ils viendront compléter parce que en graphite, c'est ce que je vous avais dit, hein, j'en ai que 120. Donc du coup, ils viennent compléter ma gamme. Je regrette pas. Après, est-ce que au débat, le débat, est-ce que ça vaut le prix ou pas? Voilà, je vous laisserai débattre tout seul. La pointe biseautée. Alors, vous pouvez avec la pointe biseautée faire des traits très très fins. Voilà. Ou alors, des aplats comme ça. Et si vous venez comme ça, vous avez soit en bas, voilà. Vous pouvez vraiment... Donc là, c'est pareil, je reviens parce que zéro trace. Incroyable. Regardez ça. J'ai fait un seul passage, zéro trace. J'étais pas pour la pointe du tout comme ça. Mais celle des Copic, je la trouve vraiment top. Donc, je regrette pas du tout. Au niveau de la luminosité du marqueur, bah, rien à redire non plus. Hein. Je peux vous faire un dégradé, là, rose et rouge, sans souci. Vraiment. Hop. Franchement, ça se fait tout seul. Et la pointe, elle est hyper agréable. Elle est smooth. Elle est quali de fou. De fou. Franchement. Si vous avez les moyens et que vous voulez acheter qu'une gamme, alors les Copic. Sans aucune hésitation. Voilà. La différence avec les Chow, c'est qu'en fait, effectivement, les sketchs, vous allez les remplir moins souvent que cela. Mais en fait, en vrai de vrai, c'est juste le volume, en fait. Donc moi, ça me va bien. Je suis assez contente. Donc on va swatcher ensemble. Je voulais vous montrer aussi le swatch des pro-marqueurs que j'ai fait. Donc les pro-marqueurs, vous avez une mine très fine, hein, comme ça. Là c'est le néon. Hein. Et une mine brush qui est plus dure, qui ressemble un peu à la mine biseautée. Vous voyez. Voilà, en faisant comme ça, on peut avoir quelque chose de plus large en étant comme ça. Je regrette pas, ce sont vraiment néons. Alors,
Je vais essayer de jouer avec mes lumières pour que vous puissiez avoir le meilleur rendu possible. Alors là, oh, pas du tout. Hop, on va se mettre comme ça. C'est traître. Hop. Ouais, là on est pas mal. Là on est dans le son. Hein. Elles réagissent aux à la lumière bleue. J'ai vu ça sur internet. Donc, bon, je n'ai pas testé, je vois pas l'intérêt de passer mes lumières bleues sur mes livres. Par contre, moi, j'ai acheté une encre liquide phosphorescente, comme l'encre de Chine, mais en phosphorescente, pour lorsque je vais, pour l'instant, j'ai des posters au mur, mais lorsque j'aurai fait une belle illustration, là, j'ai une illustration à faire en cadeau, quand j'aurai fini, je vais faire mon illustration, et je vais mettre cette encre de Chine, cette encre phosphorescente, de façon à ce que la nuit, quand ce soit éteint, ce soit sympa. Mais dans un livre de coloriage, je vois pas trop l'intérêt, là, c'est un petit délire, je m'étais tapé assez cher. Je vais pas vous mentir. Voilà. Peut-être que je le mettrai sur le colo que je vais offrir. Pour que la personne ait la petite surprise. Je sais pas si elle l'affichera ou pas, mais en tout cas, voilà. Moi, je suis assez contente. Je voulais vous montrer donc les pro marqueurs. Hop. On va peut-être rallumer la lumière. Hop. Alors, le métallique violet. Ouais. Non, là, c'est pas top. Hein. Hop. Alors, mise au point. Automatique, voilà, métallique violet, franchement il est pas mal du tout. Je baisse un peu ma lumière. Il est vraiment pas mal. Alors voilà, on va être bien, on va y arriver. Le bleu aussi, le or, le argent, bah c'est des métalliques, ils sont jolis, voilà, j'ai rien à redire. Les néons, ils sont ouf. Alors j'ai fait sur du noir, là vous voyez il y a deux pastilles, c'est parce que là en haut c'est la première, c'est blanc, et la noire, blanc noir, blanc noir. On voit pas de différence, donc c'est très couvrant. Et pour les néons, on voit des légers reflets. Je sais pas si vous allez voir, là, sur le vert notamment, on a un léger reflet. Sur le bleu aussi, rouge, mais du coup, ça réagit à la lampe UV. Est-ce que comme ça, on voit? Je suis pas certaine. Moi, il faut vraiment que je recherche le reflet. Vous voyez, si sur les pastilles, là, vous voyez. Donc ça peut donner un style, un dégradé si vous avez un monstre à faire qui est noir et vert dans les trucs d'Halloween, ça peut être très sympa. Voilà. Pour ma part, je regrette pas, c'est des marques. Ceux-là, ils sont à l'eau. Donc je voudrais les copiques pour voir si les copiques sont à l'eau ou pas. Attendez, je reviens deux petites secondes. Alors, je vous reprends. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, j'étais malade, voilà. Je suis partie en catastrophe et je sais plus où j'en étais. En tout cas, ils valent la peine, mais ça, elle est morte de rire, il n'y a rien. Pas du tout. Ah ouais. Donc voilà, par contre on est déjà à 9 minutes, donc je vais peut-être pas swatcher avec vous, je vais swatcher après. Ouais, je vous disais, c'est ça que je vous disais, que ceux-là ils sont à l'eau, donc c'est pour compléter notamment, je les ai pris les pro-marqueurs, pour compléter mes tombeaux et mes lyras, de façon à ce que je puisse avoir une touche néon et métallique, et pas avoir besoin de passer à l'acrylique. Donc ça, je suis plutôt contente, et je les prendrai certainement en copique, parce que j'ai vu qu'ils existaient en copique. Là, alors ça, ce sont mes stabilos, vous n'allez pas voir beaucoup. Attendez, hop, j'essaie de pas bouger ma cam, ça serait vraiment bien, voilà, comme ça, ça sera mieux. Là, ce sont mes stabilos métalliques, pailletés irisés que j'avais, que j'ai retrouvé, qui étaient loin. Et normalement, on a dedans, pas les Chao, bien sûr, mais en copique normal, ils existent en, j'ai vu, je sais pas où, en métallique. C'est sur l'autre document. Attendez, sur mon téléphone. Parce que je ne l'ai pas imprimé, forcément. Je ne pensais pas avoir besoin de vous le montrer. Alors. Où est-ce que je le retrouve là? Hop. J'ai vu là qu'ils existent en fluorescent. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il y a 8 couleurs fluorescentes. Donc. Je me dis pourquoi pas. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est effectivement, je crois que ça vachement bien, comment c'est nommé les copiques. Vous avez le nom de la couleur qui est en une ou deux lettres. Ensuite, le premier chiffre, c'est la saturation. 0 étant le plus saturé et le 5, c'est la luminosité. 0 étant le plus clair. Donc déjà, c'est plus facile pour chercher. Je trouvais ça plutôt pas mal. Le nuancier, je voulais imprimer, il est classé comme ça. Dans ce sens-là, donc moi, je l'ai respecté. On va essayer de faire une ou deux couleurs pour que je les découvre avec vous. Et pour le reste, bah, ma foi, je les ferai à part et je vous montrerai ça. Oh là, j'en ai mis partout. Je ne sais pas ce que j'ai. Demain matin, j'ai rendez-vous à 9h45 à l'hôpital. Ça, toujours, c'est sûr. Alors, on est sur les BV0. Les mauves, on va essayer de faire dans l'ordre. Je vais
Je vais essayer de les sortir. B, bah V15 déjà. On va regarder là-dedans. Comme ça, je saurai. Parce que j'ai pas regardé. BV17. Là, un BV17, il est là. BV17. Donc, on va le barrer là. Parce que comme ça, ça, je saurai que je l'ai déjà. Ensuite, parce que ça, je vais le garder, je pense. Ou est-ce que je barre directement là-dessus? Je peux barrer directement dessus, ça peut être bien. Parce que c'est le côté, en fait, ça va être petit pour voir. Hein. Mais en même temps, je l'aurai, ouais. Je rebarrerai après, BV17. Parce que comme ça, je l'ai gardé pour voir si j'achète, en fait, comme c'est vendu par kit, si je les achète par kit, que j'achète à l'unité, pardon, que je commence à acheter l'unité d'un kit et après... compléter plutôt que d'entamer plusieurs kits et si je veux m'en offrir un c'est compliqué. BV17, alors lui c'est le Deep Reddish Blue. On va rallumer la lumière. Ah si, elle était déjà allumée, elle était pas mal, hein. BV17 on a dit là. Alors voyons voir ça. Oh ouais, ça se met tout seul, c'est smooth. Et pourtant le papier, alors là c'est du DCP, hein, mais j'imagine même pas sur du layout ou... ah ouais. Alors moi, je suis très marqueur alcool, mais là, j'avoue que quand même... Quand même, quoi. Alors, on va prendre un... Est-ce que j'ai pas un noir, là, dans le tas? J'ai pas de... J'ai pas de feutre noir. Là. Je vais les rayer au fur et à mesure. Hein. Celui-là, voilà, il est fait. Alors, ensuite, on a... BV29, eh ben, ça tombe bien, vous voyez, comme c'est plus facile à trouver, je trouve. Ce que j'avais galéré, c'était les prismas pour les rangements. BV29, et lui, c'est le slate. Alors, hop. J'adore. Alors après, pour comparer par rapport au nuancier que j'ai des graphiques que j'ai fait, comme il est plastifié, ça ressort toujours un peu plus la couleur. Donc, quand je voulais comparer, quand ça sera sec demain, je pense. On pourra voir ça ensemble. Il faudra faire attention à cette petite notion-là. BV29. Ensuite, ouais, demain matin, j'ai rendez-vous chez l'anesthésie. J'ai grandement pas du tout envie de me lever pour aller à l'hôpital. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, hein, comme on dit. Donc, pour les BV, je pense que c'est bon. Là et là. Déjà, les couleurs, elles sont très nobles, je trouve. Alors, on va attaquer les V. Ce que je vous disais, c'est pratique pour ça. V15. Il est là. C'est le Malo. Ouais. Bon, ça s'applique, mais tout seul. En plus, la pointe, si on veut faire de la précision, je ne vous ai pas montré, mais on peut largement. J'avais peur de ça par rapport à mes graphites. Alors, il est où mon petit cahier? Par exemple, si je vais faire un trait tout fin... Vous voyez, c'est juste si on fait, hop, vraiment ouais, franchement je valide vraiment les copies, hein. Ouais, je pense que tout le monde les valide en vrai de vrai. J'ai pas regardé combien de couches j'ai fait, c'est pas très grave, mais ils sont juste incroyables. Alors ça, c'est le V15. Donc, je vais les faire tous. Je vous ai montré tout ça. Et je vous remontrerai le swatch, du coup, demain, je pense. Ce sera plus logique quand je les aurai tous finis. Et demain, on fera peut-être... ah oui, le bullet, mon bullet journal aussi, à avancer un petit peu avec vous. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, mon petit retour sur les Copics. Maintenant, je vais les savourer, parce que j'attendais de le faire avec vous pour pouvoir... me faire plaisir et les swatcher. Donc je savais que j'allais pas les faire tous avec vous parce que sinon ça allait être long. Celui-là c'est le pâle grappe. En fait, demain matin j'ai hôpital et le soir j'ai une réunion au collège de ma fille. Sachant que le 1er octobre j'ai cette fameuse fibro là sous anesthésie générale parce que prélèvement de 15 morceaux d'estomac. Je sais pas si c'est grand un estomac mais ça fait un peu peur quand même. Du coup, voilà, je me dis peut-être que je vais vous prendre en journée, ça va m'occuper l'esprit. Ça sera pas mal. Et le soir, l'après-midi, me poser un peu
pour ça qu'il n'y aura pas de live, parce que le soir, réunion à 18h, donc déjà... En plus, le lycée de ma fille, le parking, alors c'est bien, il y a des places handicapées, mais alors, rien que du parking pour aller au lycée, il vous faut déjà 10 minutes. Donc c'est obligatoirement, je ne sais même pas où c'est l'amphithéâtre et tout, on sera obligé de prendre le fauteuil, ça, il n'y aura pas le choix. Donc, demain après-midi, ça sera repos pour moi. Je suis contente aussi parce que j'ai des super retours sur la vidéo qui est sortie. J'avais un peu peur, je dois vous avouer. Et ça, je suis assez contente de pouvoir voir que c'est bien accueilli dans la communauté et tout. Ça, ça fait plaisir. Alors là, je cherche les RV95. Parce que tant qu'à faire. Hop. Alors, je les ai numérotés, hein, mes fiches derrière, c'est plus facile pour les remettre dans l'ordre après. Parce que sinon, bonjour. Je vais surveiller l'heure. Un petit dernier ensemble, ça fera 17 minutes. RV95. Donc demain, j'ai espoir de pouvoir rusher avec vous sur mon bujo. Et peut-être un peu colo aussi, ce sera sympa. RV95, Baby Blossom. Oh, elle doit être belle cette couleur. Elle doit être jolie. Ouais. Et en fait, j'aimais bien cette gamme pour les roses, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roses chez Graphite. Rose et violet. C'est comme tout à l'heure quand je regardais chez Lyra, par exemple, il n'y a pas trop de marron. Il y a plus de marron chez Tombow. Enfin voilà, chaque gamme a un peu cet avantage-là. Et là, pour le coup, c'est les roses et les violets qui m'intéressaient. Et là, on a fait le RV95, qui est très très beau. Hop. Donc, je suis plutôt contente. Ouais. J'avais pas peur, mais je m'étais dit, ouais, c'est une grosse dépense quand même. Bon après, je ne l'ai vraiment pas payé cher, donc je ne sais pas si c'est le prix annuel ou pas. Je vous invite à regarder, hein, c'est le 7D sur Amazon. Par rapport aux autres, il est vendu 70 balles moins cher. Donc pour celles que ça intéresse, c'est clair que c'est une occasion, quoi. RV34. Et alors, pourquoi je ne vous l'ai pas dit sur le live quand même, que vous sachiez, c'est que comme c'est Amazon UK. Alors, j'étais connecté sur Amazon France, hein, mais c'est une commande qui bascule sur Amazon UK. J'avais peur qu'il y ait des frais, etc. Et je voulais pas trop vous en parler au risque que certaines reçoivent des frais et me disent « Ouais, tu ne l'as pas dit. » Voilà. Je trouve important de ne pas m'engager sur un truc que je ne savais pas. Donc là, je peux vous confirmer que je n'ai pas eu de frais, j'ai pas eu de voilà de taxes. Et voilà, c'est toujours un peu... quelque part, mon souci, j'aime pas vous présenter les choses quand je suis pas sûr de moi. Donc, jusque-là, je ne vous l'avais pas dit en live à cause de ça. Pas parce que je ne voulais pas vous partager l'info, parce que c'est aucun intérêt sinon. Mais c'est juste que je ne savais pas s'il y avait des frais ou pas. Et il n'y en a pas eu, donc je suis très contente. Et voilà. Donc, et c'est un kit qui m'a l'air pas mal. Une fois qu'on aura swatché, on y verra un peu plus clair. Là, c'est les RV. Donc, je suppose que le R17, j'ai dû le passer. Là, je vois le R05. R17, il est là. Lipstick orange. Pour l'instant, je suis pas déçue. J'ai vraiment de très belles couleurs sur le rose. Sachant que ma petite poupette, là, que je vais faire avec vous, j'aurais voulu utiliser les copiques. Ça aurait été assez sympa. Je pense. Ah ouais, lipstick, il fait vraiment... mais je suis pas sûre que j'ai des teintes qui... Mais là, déjà, j'ai un beau dégradé. J'ai plutôt un beau dégradé. Alors, je vais essayer de voir la mise au point si elle veut bien se faire. Ouais, non, elle se fait pas. Là, voilà. Ouais, un beau dégradé de rose. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Rose-violet. Donc là, le R17, il est fait. On en fait un petit dernier. On sera déjà à 20 minutes. R35. J'essaye hein, de maîtriser mes longueurs de vlog, mais c'est compliqué. J'ai toujours plein de choses à vous dire. R35, allez. Ouais. Mais possiblement, ils sont beaucoup plus intenses. Ils sont très très pigmentés. La pigmentation sont... Ouais, et ils sont plus intenses que les graphites quand même. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, pour le coup, je vous ferai la comparaison. Mais quand j'aurai trouvé des teintes qui correspondent, R35, c'était le coral. Ouais, et par rapport au papier, par contre, ça correspond pas vraiment. Hein. Mais ouais. Sont très très pigmentés. De ce que je vois là, moi je regrette pas du tout. Regardez,
On est sur pourtant des couleurs pâles, mais qui restent très pigmentées. J'aime beaucoup le slate, là, il est magnifique. Il est très, très, très beau. Et bah, le Deep Reddish, là, Blue, il est vraiment joli, ce rouge-bleu, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous zoomer un peu. La mise au point, est-ce qu'elle va se faire? Peut-être un peu... Alors, je sais où la faire, bien que ça vous donne pas mal à la tête. Ce qui m'attend derrière pour manger. Hop. Alors, est-ce que tu viens te faire là? Ça serait pas mal. Là, je pense que j'ai trop flou. Là aussi, hop. Ouais, je suis désolée. J'arrive pas à voir mieux. Si je dézoome un peu, peut-être. Un peu mieux, mais je suis pas certaine. Hein. Je suis pas convaincue du truc, mais voilà. En tout cas, écoutez, moi, pour ma part, je suis contente. C'est plutôt réussi. Investissement réussi. Je suis contente. Ouais. Je suis assez contente de ces couleurs-là, qui sont très jolies. Alors, nuancier, moi, j'utilise toujours soit ceux-là. C'est ceux de Taz Color, je crois. Il me semble, hein. On me l'a soufflé à l'oreille il n'y a pas longtemps, parce qu'à chaque fois je zappe. Et ou ce d'Emily, ou alors je découpe des carrés, tout simplement. Emily Panorama Mix, voilà. Donc là je vous le dis, ceux-là ce sont ceux de Taz, voilà. Pour le coup, que j'utilise pour les marqueurs et les feux, je les trouve très bien. J'aime bien le format de pouvoir les présenter après sur votre colo, vous savez, comme ça. Surtout pour les mystères, ou même pour voilà assimiler deux couleurs ensemble, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous reprendrai demain pour le résultat du swatch. Et ou alors tout à l'heure, ça va dépendre, mais ça m'étonnerait. Je vous montrerai tout ça. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne soirée. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on est, je ne sais pas combien, le mardi. On avait rendez-vous à 9h45. Le mardi 10. On a rendez-vous à 9h45 à l'hôpital et on est passé à 11h, je crois. Ouais, une heure et demie de retard. La dame, elle a dit, non, ça va, votre anesthésiste, il n'y a pas beaucoup de retard. Heureusement. Ouais, on a eu. Donc, du coup, eh bien, hier soir, donc, j'étais malade, vous avez vu la vidéo, je suis désolée. Hein. J'espère que ça ira, je ne couperai pas. C'est une tranche de vie comme ça. Et aujourd'hui, on est chez au Raja Indien, à La Roche-sur-Yon. Si vous êtes du secteur, je vous invite, c'est une super adresse. C'est notre petit Indien à nous, c'est un dépaysement. Seb, il va vous faire un petit tour tant qu'il n'y a personne. C'est le petit coin où nous, on aime bien manger. Ah, il y a du monde, il me fait signe avec la tête. Donc quand il n'y aura personne au comptoir, on pourra vous filmer. Aussi, si c'est la patronne, tu peux, je vais lui demander après. Je vais lui demander, je vais lui montrer. Pas mal en fait. Ouais. Puis c'est très bon. Donc il y a une petite salle en retour. Bas, et il y a une petite salle au fond. Mais nous on aime bien être là. Et c'est trop bon. Donc au menu, c'est beignet de légumes. Poulet au curry, dalle indien, nan au fromage pour moi et gulab jamun, c'est un petit gâteau. C'est un petit couple très jeune mais très sympa, ils sont bosseurs. Nous on les a vus ouvrir et démarrer à deux, tout seuls, tout le temps. Donc nous on les soutient comme on peut et j'ai pas pu venir depuis quelques mois, donc là c'est un vrai plaisir. Donc ça va aller bien, une heure et demie d'attente dans la salle d'attente. Un cuistot au top, des produits frais, enfin voilà, génial. A rien à voir avec le colo, mais ma foi, une petite tranche de vie sympathique aussi pour tout ça. Et puis en avant pour un bloc en ambulatoire le 1er octobre. Donc en attendant, hier j'ai fini de swatcher mes copies que je vous les montrerai tout à l'heure avec le rangement en rentrant. Et je sais pas si je vais à la réunion ou pas ce soir. Ça va dépendre de comment je digère. Et je sais lui faire long comme ça. Ça m'embête de laisser tout seul. Mais en plus, ils vont lui annoncer la douloureuse pour le voyage en Chine. Je suis sourd, je n'entendrai pas. Donc voilà, j'aimerais bien aller avec lui, mais en même temps, c'est vrai que je suis fatiguée. Voilà, hier, j'étais vraiment une belle crise, comme il se doit. Donc voilà, mais toujours le smile. Donc je vous reprends une vidéo face cam, parce que je vais vous remercier vraiment. J'ai eu plein de soutien, des messages incroyables des gens. Je vous connais sur les autres lives, mais je ne savais même pas que vous continuez à me suivre, en fait. Et quand je vois vos pseudos, je me dis, ah, mais elle me suit. Alors,
je suis toujours aussi émerveillée. Donc merci, merci. Merci de tous ces messages, de cette joie qui a été partagée, de cette bienveillance, de ce mélancolique anonyme. Voilà, pas d'épanchement, pas. Je vais juste garder du positif et voilà. Et ça, c'est super cool. Et puis, j'aurais toujours emmené mon Mister Schtroumpf pour avancer les contours parce que du coup. J'aurais eu le temps, mais c'est pas grave. J'ai travaillé puisque maintenant je vais être affilié Amazon, partenaire Amazon. Donc vous aurez des liens sur mes vidéos si vous cliquez. C'est comme les Super Thanks, ça m'aide. C'est des petits achats ponctuels, les Super Thanks, les petits cœurs. Ah, le repas il arrive déjà, il va pas en finir, mais ça c'est. Tu m'autorises à ce que tu sois sur la vidéo? Si tu dis non, mais à la poubelle. Hein. Oui. On a dit que c'était pas mon chéri. C'est la patronne. Alors c'est quoi ton prénom, j'ai oublié. Anne-Claire. Anne-Claire, moi je suis un peu... voilà. Donc il faut bien manger là, regarder les plats. Mmh. Avec du coup le nano fromage. Super. Bon appétit. Merci, super. Voilà, ça c'est que du bonheur. En dehors du colo, voilà, si vous voulez me faire plaisir, il faut remplir mon estomac, ça marche plutôt bien. Genre en mode chez l'anesthésie, j'étais sans arrêt à lui demander. Mais sinon je peux manger normalement après, genre un kebab et tout. Sam il en pouvait plus. Donc voilà, donc je vous disais, vous avez des liens Amazon maintenant qui seront partenaires et qui me permettent d'avoir des petits sous pour m'aider aussi à pouvoir continuer à découvrir et vous faire découvrir des matériels. Les Super Thanks qui sont là depuis un petit moment, mais je vous avais pas fait la pub, c'est le petit cœur merci sur la barre où vous avez le like, partager, etc. Si vous faites défiler, eh bien vous avez la petite touche Super Thanks et ça fait un petit sou donné, voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, quoi dire de plus. Les abonnements, je ne les ai pas mis encore en ligne. Je pense que je les mettrai en ligne pour les 1000 abonnés. Voilà, je pense que ce sera pour les 1000 abonnés. Donc, partagez, likez, commentez. Et puis surtout, si vous pouvez m'aider à grimper là-dessus, ça serait super cool. Moi, je vais vous laisser, je vais manger. Et je vous retrouve à la maison pour... je ne sais pas si on rentre. Il me fait rire, ça. Il est trop bien. Il est touché tout au Nidanza. Et je vous retrouve à la maison pour les copiques, la présentation des swatchs. J'espère avoir assez de luminosité. Sinon, ça sera demain. Et le rangement qui est mis en place est tout fini. Et prochaine étape, au bon tour. Allez, je vous fais des bisous. Bon appétit. Recoucou. Alors, je vous prends. Voici le rangement. Alors, regardez. La taille des étiquettes. Ça fait moins 0,5 mm. Donc, je me suis joué la vie. Mais voilà mon rangement pour mes copiques. Bah pour le reste, ce sera sur le home tour, hein, je vous montrerai ça. Donc, je suis assez contente du rendu. Visuellement, je trouve ça très sympa. Je vous mets en pause. Je suis désolée, je viens de monter les escaliers. Hop, et là, je vous prends pour vous montrer le nuancier. Alors, du coup, j'ai pas allumé l'ordinateur parce que je vais pas avoir le temps. Je vais vous montrer. Là, ça, c'est le graphite et ça, c'est le copique. Donc, en luminosité, franchement, on perd rien. C'est vraiment top. Après, je trouve que ça fait plus soyeux, ça fait plus, je sais pas, plus velouté. Je sais pas comment l'expliquer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, l'intensité. Ça, c'est toujours du copique, copique et graphite. Je sais plus ce que je vous ai dit. Vous voyez que là, par rapport à la lumière du jour, ben, on voit hein, le blendage. Je l'ai fait très vite en plus. Zéro trace. Hein. Bon, là, un petit peu parce que je ne me suis pas pris la tête. Hein. Là pareil zéro trace, donc franchement c'est topissime. Je voulais vous montrer par rapport alors aux nuanciers qu'il y a dans ce pack là et vous retrouverez tous les liens du coup en barre d'information dans mon descriptif de vidéo. Je vous ai mis le lien affilié pour les copiques qui sont à, alors moi je les ai payés 101 €, ça varie de 1 ou 2 euros à chaque fois. Faudra que vous regardiez. Donc là je vous fais passer les couleurs. Je trouve ça assez sympa parce qu'en fait à chaque fois vous avez deux ou trois couleurs par gamme, vous voyez. Bon là on est dans les bleus gris, bleu violet, en fait on en a deux. Là on est dans les violets, on en a trois. Là dans les roses violets RV, hein, vous voyez, on en a rouge violet, pardon, on en a deux là, rose, un lipstick. Là, par contre, les rouges, ils sont magnifiques. Regardez-moi, c'est incroyable. En plus, je filme avec mon téléphone. C'est pas en mode, on peut dire... ouais, franchement, c'est top. Et donc, on a assez, en fait, même avec un kit pour faire des dégradés. Je trouve ça vraiment très sympathique. Là, un orange. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc, 36 couleurs. Un jaune, un beige. Alors, par contre, j'ai regardé les kits peau. Je sais pas s'il n'y en a pas... des couleurs peau, au moins 36. Voilà, je regarde, si j'ai le temps, je vous les compte. Attendez.
Alors bien sûr, je les ai pas moi, mais deux jaunes verts. Hein. Là, on a trois beaux verts. Alors, là, j'étais un peu fatiguée. Hein. C'est le soir, j'ai découpé, je me suis ratée sur le rond, mais j'ai la flemme de les refaire, donc ça ira très bien comme ça. Ouais, là, on a un bleu canard incroyable. Donc, quand ils sont tous faits, je les plastifierai, parce que vous savez que les marqueurs à alcool a tendance à s'évaporer avec le temps. Donc, j'espère que je vais pas prendre 15 ans à les avoir quand même. Mais bon, ils sont pas exposés normalement au soleil. Regardez, tous ces bleus. Donc, dans ce kit-là, c'était assez sympa pour ça. Pour celles qui aiment le bleu, je passe là, il y en a pas. Là, on a deux couleurs peau. Alors, les couleurs peau, je pense qu'elles sont à partir de là. Donc là, j'en ai 8. On va compter. Hein. Ça fait 8. Là, après, 1, 2, 3. Ouais, elles sont belles, celles-là. Regardez, waouh. Donc là, on est à 4 couleurs peau. Je dirais 36. 4 fois 8, 32. 30 couleurs peau, je pense. Parce que là, il y en a deux qui sont pas... J'ai combien de fiches? Il y en a 8 par fiche, de toute façon. 1, 2, 3 et 4. Ouais, 30 couleurs peau. Et vous voyez, dans ce kit-là, j'en avais 3. Ah, j'ai un message qui vient de s'afficher. 4, 5, 6. Dans ce kit là on avait 6 couleurs peau quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, celle-là, c'est celle que je vous ai montrée. Et là on passe sur des gris chauds. Alors on n'a pas de gris froid dans ce pack là, on a 2 gris chauds, 4 gris chauds en tout, et on n'a pas le black et le blender. Alors donc ça c'était pour vous montrer des très belles couleurs. Franchement je suis en train de prendre le graphite pour vous montrer. Attention pour comparaison, parce qu'ils sont plastifiés, donc plastifiés, ça veut dire que la lumière, elle n'est pas tout à fait la même. Elle ressort plus flashy, là, comme ça. Mais en fait, une fois que les copies seront plastifiées, ils seront certainement plus flashy, je pense. Moi, j'adore mes graphites. Hein. Mais vous voyez, et en plus, ils sont complémentaires. On retrouve une équivalence, mais pas les mêmes. Donc, pour moi, ils sont complémentaires. Vraiment, je valide. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait moi. J'ai imprimé le nuancier, donc c'est grâce à ça que j'ai fait mes étiquettes, puisque je les ai découpées et je suis venue réécrire le code couleur dessus. Et ça tombe pile poil. Pareil, le rangement, je vais essayer de vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez les copies à 101€ et le rangement que je vous ai montré. On peut mettre 240 marqueurs. Et j'ai dû le payer moins de 40€. Entre 30 et 40, je sais plus exactement, mais je vous le mets tout ça dans le descriptif. Et il existe pour 180 couleurs. Donc j'aurais pu prendre le plus petit, mais je voulais plus grand parce que je me suis dit, si d'abord ils agrandissent, bon bah j'ai les étiquettes à refaire, mais voilà. Et ensuite, si je veux mettre des marqueurs de recharge, je vais vous montrer, je les ai mis en bas. Ah, ça, c'est ce que vous voyez, c'est mon encensoir électrique. Voilà, je mets mon petit wood sans charbon. Et voilà, et ça brûle et ça sent très bon. Donc c'est ça que vous voyez. Voilà, comme ça, la petite boule. Et vous la verrez mieux dans le room tour. Donc, voilà comment j'ai fait mes étiquettes. Et en fait, je suis venue bosser hier soir quand même, parce que j'ai pas beaucoup colo. Mais ça y est, le room tour, on va être presque prêt. Donc, du coup, je vais pouvoir enfin me remettre à colo. Là, je suis venue mettre les lettres. Ça correspond au kit, en fait, dans lesquels elles sont. Donc, j'ai pu checker. Il y en a aucun en double. Voilà. Chaque, vous voyez, le blender et le noir, ils sont dans le kit A et dans le kit B. Donc moi, je vais les acheter à l'unité, mais si j'achète le kit A ou le kit B, alors ça voudra dire que le lien est dedans. Et le set D, ouais, je l'ai payé 101€. Je l'avais marqué en bas. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, je voulais vous remontrer du coup ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, mes pro marqueurs là, vous voyez, à haut, les néons et les métalliques, ils sont là. Et pareil, si j'achète des copiques fluorescents, je les mettrai là. Voilà, et c'est pour ça. Et c'est ce qu'on vous disait dans le montage, c'est ces barres verticales qui s'enlèvent. Vous voyez, regardez, ça coulisse. Alors, je vais pas tout démonter hein, parce que chef, il va me râler. Mais voilà. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour les copiques. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse là le bijou. Je pense que je vais voir si je l'avance ce soir toute seule ou si je vous reprends en vidéo demain. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Hey, coucou. T'es là? Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Ben, je pense que, ben, je sais pas, c'est pas Noël, mais bon, il y a un petit truc qui est arrivé. De toute façon, on fait plus Noël. Déjà. Non, et on fait plus Noël, mais. On fait des non-Noël, on fait des cadeaux tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ma déco. Ah, je dis rien. Bah, tu m'as dit c'est pour. Bah, elle ouvre vite, hein, Vérus, hein, y a même pas. Bah, oh là oui, là, là se jette t'avais, dessus. T'avais préouvert. Oh, non. T'es sérieux? Mais non. Attends. Et je compte combien il y en a. Normalement, il y en a 5. Oh là là. Mais non, t'es fort. T'es très fort. Waouh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des Funky Pop. Et j'avais déjà la petite fille, Acha, et Star à l'étoile, donc derrière, là. Et du coup, mon chéri m'a trouvé... Ouah, bah, et je les ai tous, alors eh, je crois que oui. Oh, ah bah là, c'est du génie, là. C'est du génie. Oh non, c'est énorme. Merci, mon cœur. Ah ouais. Bon, la prochaine fois que tu m'offres des pop, je saurai que c'est des Bridgerton, du coup. Parce que c'est la collection que je voulais. Ah, oh, c'est énorme. Oh, waouh. C'est trop, trop beau. C'est trop bien fait. Regarde la robe. Ah, oh, j'adore. Non, Nouchka, tu n'as pas mangé le pop. Et tu veux une nouche? Oh, coucou, nounouche. Tu veux un pop pour toi avec? Ouais. Mais si je te donne le pop, tu vas le mordiller. Après, on a... Ah, allez. Le King, magnifique. T'as tes doudous, toi. C'est toi, Magnifico. C'est moi, Magnifico? Non, il est méchant, Magnifico, c'est pas toi. Ah ben non, c'est pas méchant. Moi. Il est calculateur, méchant. Ah, il a même la boule, regardez. Oh, la cape, le détail. Ah, ils sont très beaux, ceux-là. On disait que les Aladdin étaient beaux, mais... Ah ouais. Ben, donne-en un nounouche, là. Ah, regarde, avec le M derrière. T'arrêtes de filmer le chien. Ben, elle fait l'ours. Ben oui. Regarde. Quoique, peut-être les gens ils veulent plus que voir le chien. Magnifique. Magnifico. Il est incroyable. Et il me manque Dahlia, ma meilleure amie. Ah, merci, Gou. C'est trop cool. Ah, bah ben là, ma déco, elle est à 98% faite. Et il me manque un truc qui arrive vendredi. On pourra faire le retour normalement. Oh, elle est mignonne. J'adore son teint. J'adore son blush. Bah, c'est maquillé. Ah, elle a la canne, j'avais oublié. Ah bah c'est toi ça. T'avais vu? Oh là là, qu'elle est belle. Ah bah, merci. T'as la collection complète. Ah ouais, bon bah. Hein. Des pop wish. Ah ouais, regarde. Ils sont jolis. Ah ouais, vraiment. Ah bah voilà. T'as vu un peu? Non, c'est trop beau. Mais merci mon cœur. J'ai oublié de vous dire, on est mercredi 11 septembre. Et Seb du coup, il va partir avec la petite... voir un bébé, un pet-sitter. Et moi, je vais peut-être avancer, filmer mon belette, coller un peu avec vous, on verra. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et c'est fini les cadeaux. Coucou tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, Seb, il nous a réveillés à pas d'heure. Il est 9h30, on est censé être au marché à 9h. Ça a une heure de route. Et on l'a attendu avec Mélissa, on a fait que ça. Genre en mode et tout, on s'est fait poupette et tout, vous avez vu, profitez bien. Et vous la croyez, vous la croyez. Il n'y a pas le pyjama et tout. Et je suis jolie, hein. On s'en fout. Donc là, je vais au marché direction Nantes parce que quand t'es grosse et que t'es pas riche, quoi, n'importe non quoi. Ah, et ben c'est compliqué de t'habiller. Donc je vais essayer de trouver 2-3 robes pull au marché, parce qu'en plus c'est fun et c'est pas très cher. Et j'aime beaucoup, ça me rappelle le marché parisien. Et voilà, et c'est aussi ma façon de consommer à pas trop cher. Attends, je m'attache parce que je suis pas attachée. Excusez-moi. Mais ouais, mais va t'en. Oh. Les chauffeurs aujourd'hui, c'est plus ce que c'est. Hein. Chauffeur VTC, le mec. Oui, je prends mon café, attends. Oh là là, tiens, Dan. C'est pas possible celui-là. Chauffeur VTC qui me donne des ordres, ça va plus, hein. Tu te rends pas compte de la chance que tu as de m'avoir dans ta vie? Oh ben vraiment, je pense que tout le monde s'en rend compte. Oh là là. Enfin voilà, donc du coup hier on a fini le room tour, il devait faire une demi-heure, il a fait une heure, mais franchement c'était top, j'ai adoré. Mélissa, elle a un don pour les photos et les vidéos incroyables, et en plus bah, Seb il était là, il rangeait derrière et tout, non, ils étaient mignons tous les deux, j'ai adoré, c'était un moment en famille comme je les aime. Et puis je vais aller à la boutique de parfums de Dubaï pour récupérer de l'encens. On va essayer de vous faire une petite vidéo. Après, vous aimerez pas vous squeezer. Et ça, c'est le problème d'aujourd'hui. On est samedi 14 septembre. Et ouais, c'est une journée pas facile pour Seb, c'est particulier. Ah non, j'ai mal au crâne.
Voilà, c'est l'anniversaire du décès de sa maman. Non. Et voilà, mais ça, vous ne savez pas de quoi je parlais. Donc on va essayer de changer les idées. Ah, c'est bien d'aller faire les boutiques et tout. Oui. Donc le fauteuil est dans la voiture, mais Seb, il va falloir qu'il pousse. Et puis pour le marché en tout cas. Et magasin pour le parfum de Dubaï, donc on fera un petit tour. Sachant que c'est des gens qui sont super cool, ils sont sur Insta. Et en fait, il suffit juste de les appeler pour faire des commandes, ils font des expéditions. Et là, je vous garantis la qualité des produits. Par contre, et des parfums aussi forts que Hypnotique Poison qui coûte 130 balles à 30 balles ou 40 balles, les 100 ml, voire les 150, il n'y a pas photo quand même. Hein. Après, c'est plus subtil qu'un parfum européen, mais c'est beaucoup plus dosé en essence. Donc c'est juste incroyable, moi j'y croyais pas, merci Mélissa du filon. Donc ça je vais vous montrer, et après j'espère rentrer pas trop tard et pouvoir colo un petit peu. J'ai avancé mon Mr Schtroumpf parce que quand même il va falloir que dans le vlog vous voyez un peu de colo. Mais voilà, donc aujourd'hui ça va être journée. Et si on va au centre commercial Beaulieu pour échanger un bracelet que Mélissa s'est acheté avec ses sous. Maman lui dit achète un bracelet de qualité et tout, elle était toute fière. Il a cassé deux fois, une fois 10 minutes après dans la galerie. Elle l'a fait échanger et là rebelote, donc on le ramène et... Je ne payerai plus rien. Papa, il va payer. Non. Non, on va lui conseiller de prendre plutôt un bracelet sans breloque. Je sais pas, je suis à contre-jour. Bon, c'est bien. Un peu, mais je peux pas faire mieux. Tu peux faire mieux? Non, je peux pas, puisque j'ai cherché la lumière à citer déjà. Voilà, c'est ça. On paye les gens pour rien faire. Pour une fois, je suis jolie, maquillée et tout. On voit pas mon maquillage. Mais au début, on voyait, mais là, t'es dans l'ombre. Ah non. Ah, là, c'est là, bien. Ah, regardez, voilà. Profitez, faites des screens et tout. Ah, non, je rigole. Ah, c'est que de l'humour. Hein. Ah oui, il faut tirer des sous. Le moment que celui il adore. On vous embrasse fort, on prend la route et on vous dit à tout à l'heure. Bisous bisous. Et recoucou. Alors du coup on sort du marché. J'essaie de pas choper Mélissa dans le truc, sinon je vais me faire appeler Léon. Il est 12h42. Donc en fait en gros on est resté 1h30 le temps qu'on galère pour trouver des places. Mais en fait c'est bien fait, hein. Il y a un stationnement en fait, un parking. Et tu dois attendre à la barrière qu'il y ait une place qui se libère, parce que tu as des places réservées aux abonnés. Donc on s'en est bien sorti. Au niveau des comptes, on en parle. Comme d'hab, hein. Non, après il y avait le budget, tu sais, pour les tenues. Si, mais après par exemple Mélissa elle a vu des pyjamas, je vais pas lui compter ça dans son budget. Ah. Moi j'ai pris deux pyjamas, c'est pas dans le budget vêtements ça. Moi quand j'ai mon salaire, j'ai un salaire, j'ai pas un salaire budget, un salaire Astérix, un salaire hashtag, un salaire étoile. Il y a un budget point barre. Hein. C'est rire, hein, c'est un budget bizarre. Mais... Voilà c'est tout, je parle tout seul. Et donc là on se dirige direction de Dubaï. Ouais, on n'est pas prêt d'y aller de toute façon à Dubaï. Hein. Voilà. Donc moi je suis contente, j'ai trouvé mes deux pyjamas, deux leggings, deux polos. Et 5 balles le leggings et 5 balles le polo, ça va. Enfin en magasin j'aurais payé plus cher pour ce que ça sert. Et c'est pour mettre sous mes robes larges, j'adore. Et j'ai trouvé une robe bûcheronne façon un peu chemise mais sans col mais très longue. 7 €. Une autre robe à 8 €. Dites-lui les filles que c'est pas cher. Et par contre une robe tricot, mais elle est magnifique, elle est camel, non elle est un marron orangé, 20 €, mais bon, et mes pyjamas 5 balles, franchement, sérieusement, va faire moins cher, c'est quand même, donc je vais être gentil maintenant, je vais arrêter de trop parler, on va le nourrir, peut-être ça va aller mieux. Non. 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 Il est plus fin. Tu m'aimes? Il est plus fin. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et Mélissa, elle est derrière, elle est contente, elle dit rien, mais elle a pas dépassé le budget. T'as dépassé le budget, Mélissa? Non. Non. Si on compte pas les pyjamas et tout, elle a pas dépassé le budget. Mais non, c'était cool. C'était une bonne balade. Et en plus, on a un grand, grand soleil. Et j'essaie de vous montrer. Attendez. Hop, je tourne. Regardez le grand soleil qui fait. Donc ça c'est vraiment cool parce que le marché quand il pleut c'est pas terrible. Donc bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour un petit une petite visite de la parfumerie. Je sais pas si je parlerai ou pas, je pense pas. Mais voilà, ce sera une visite rapide, peut-être en musique, voilà, on verra. Je vous fais des bisous, bon appétit pour celles qui vont manger. Recoucou, alors nous voilà chez Ginati Boutique. Du coup, c'est la petite boutique dont je vous parlais. Je les adore, ils sont extraordinaires. Ils ont des produits d'enfer. Ils sont tip top, du parfum de Dubaï. Et Mélissa va faire la visite. Qu'est-ce que t'en dis? C'est sympa. Et puis, je vous mettrai une petite musique de fond, je pense. A tout à l'heure.
fromage avec Wardia. Et ça, c'est mon petit encens. C'est ce que je vous ai montré quand on fait les vidéos. Et c'est des galets dedans. Mais c'est un parfum. Mais c'est une tuerie. Ça a changé ma vie. Bon, j'enrichirai plus Sephora, mais voilà. Donc là, c'est l'encens de maison. Et là, vous voyez, par exemple, chez Wardia, vous avez les encens qui sont assortis à vos parfums. C'est pas trop la classe, en fait. Donc, je vais vous faire un petit tour de ce qu'on a déjà. Ça, c'est nos désodorisants. Alors, dommage, vous n'avez pas les odeurs. La musique, mais elle est folle. Faut que tu me donnes son nom à ce... Ah ouais, il me donne des frissons. Là, regardez, c'est pas classe, rien que pour les coffrets de parfums. Ah ouais. La marque Rassassi et... Ouais, mais je lui ai acheté au moins 10 parfums. Il m'a dit arrête de m'acheter du parfum, il les met, son chevet est plein. Là, vous avez des... Alors ça, quand j'aurai arrêté de dépenser tous les sous dans tout, je veux m'acheter ça. J'adore les trucs de cire comme ça, je trouve ça trop génial. Et je sais que du coup, là, on a des petits, ça doit être des petits galets aussi. Je les connais pas ceux-là, mais ça doit être pareil. Les bâtons d'encens. Et franchement, c'est top. Là, les eaux parfumées. Vous avez les imitations. Mais dis ça, c'est lesquelles? Les eaux parfumées que tu utilises d'habitude? C'est des imitations de quoi, ça? Tu te souviens? Je sais plus, mais c'est celles que tu utilisais, les Victoria Secret. Les brumes. Ah oui, les brumes, pardon. Voilà, et ça, c'est les brumes de Dubaï. C'est ouf, hein? Bah là, les produits. Alors, ça, c'est les produits pour cheveux que j'utilise, c'est pareil. Elle s'appelle Fait des boucles. Vous l'avez sur TikTok et sur Insta. Et voilà quoi. Donc, je vous fais un petit tour parce que je vous avais dit. Moi, mon parfum, il est là. Mélissa, elle a celui-là aussi. Et elle a celui-là. Ça, c'est son préféré. Moi, c'est celui qui concurrence Hypnotique Poison pour moi. Regardez ça. Là, par contre, vous avez des collecteurs. Donc il y a un peu tous les prix, mais vous voyez, je vous ai pas menti. Et on est sur des grosses, grosses contenances. On est sur des 100 ml. Et toute la gamme homme, elle est là. Elle est incroyable. Donc je pourrais vous en parler des heures, je ne vais pas le faire. Mais celles qui sont sur le secteur de Nantes, je vous invite. Sinon, eh ben, vous allez les appeler. Vous avez sur Insta leur page. Et puis ben, Warda et Zouir, ils se font un plaisir de livrer. Bon là, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais c'est des tapis de prière. On a des savons aussi là. C'est que des super produits. Enfin franchement. Alors, j'évite de déranger. J'ai une cliente qui. Et là, on a toutes les. Moi, j'adore. Moi, j'adore. J'adore. Là, j'évite de regarder. Donc, voilà. Bon, j'arrête mon petit tour et je vous reprendrai sûrement à la maison ce soir en cam sur l'ordi ou alors demain. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Et mon fauteuil, regardez, il est là-bas. Parce que j'ai pris la canne pour filmer. Et voilà, elle est dedans. Donc, ah oui, les bijoux. Ah ouais, mais tu vois, j'évite à la caisse. Après, j'arrive, c'est catastrophe. Ah ouais, c'est une tuerie. C'est trop, trop beau. Moi, j'adore. C'est vraiment... Il y a vraiment de tout. En fait, tu veux faire un cadeau, tu veux... regarder les bagues. Et en fait, c'est la vraie... Alors, vous avez le reflet, je suis désolée. C'est de la vraie qualité. C'est une tuerie. Là, on a des coffrets, on a des sacs. Moi, j'adore. Là, vous avez vraiment, vraiment... alors, ça, c'est du musc. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un parfum qui est subtil, mais qui tient toute la journée. Vous avez le parfum, la brume, je pense. Body musc, ouais. Incroyable. Incroyable. La même chose pour les hommes. Et là, vous avez d'autres bijoux, là. Alors là, forcément, promotion. Là, faut pas me laisser par là. Mais voilà, il y a toujours un petit truc. J'ai toujours une bonne excuse. On va en marché, on va chez Génati, quoi. Et ça, c'est des petits muscles que je ne connaissais pas dans ma vie précédente. Et ça, vous l'avez dans le sac. Et c'est habillé. Et vous mettez comme les sticks quand on était enfant. Et c'est une tuerie, ça tient toute la journée. C'est génial, c'est du concentré. Et genre en mode, regarde le prix, s'il te plaît. Donc voilà. Bon, j'arrête. Je n'ai pas de cadeau pour faire ça. Je n'ai pas. Voilà. C'est juste un sponsor. Enfin, je lui fais de la pub parce qu'il mérite. C'est des gens qui sont super, qui sont. Enfin, moi, je les adore et j'adore leurs produits. Donc voilà. Tant qu'à faire, je vous fais partager aussi mes bonnes astuces. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Si je vous reprends pas aujourd'hui ou demain. Allez, bisous, bisous. Bonjour tout le monde. Alors, on est le 21 septembre. Il est 15h et des bananes. On n'a pas mangé parce qu'on a invité un rendez-vous pour Mélissa. Et donc, Mélissa nous a fait à manger. Bon, alors. Comment dire? C'est trop bon. C'est un gâteau. Comment t'appelles ça, Melmel? Des chamallows fondus. Oh là là, regardez-moi ça. Et après, on me dit faut monter sur l'elliptique. Il n'y a pas comme un problème quand même entre la fifi chamallow et papa tacos. On est mal, patron. Demain, tacos. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en cam après pour l'ordi, mais peut-être pas aujourd'hui. Je suis fatiguée. Peut-être demain, en tout cas. Ah oui, je mange. Allez, bisous, bisous.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, alors je suis en mode, j'ai froid, on n'a pas mis le chauffage, donc j'ai mis le peignoir de pyjama, je m'en excuse. J'espère que vous allez bien, nous sommes le 26 septembre, et oui, je n'ai pas rushé depuis le 14 septembre. Vous savez que j'avais eu un problème d'épaule, j'arrive en fin de traitement antidouleur, mais c'est pas beaucoup mieux. C'est mieux parce que je suis shootée, mais là, je sais pas comment on va faire, donc je pense que je vais reprendre rendez-vous chez le médecin. Donc, j'ai pas beaucoup colo, je m'excuse sur ce vlog. Vous aurez eu pas mal de tranches de vie, dérangements. J'ai essayé quand même de vous faire un truc sympa. Voilà, je vous promets qu'on va revenir à une normalité, normalement. Je regarde mon chéri qui est en pleine séance de sport, et je sais pas, avant qu'il commence, il va me faire mon café ou pas. Je sais pas, il me regarde, l'air de dire, elle se fout de moi. Attendez, j'avance ma charrette. Oh, pardon, il était en train de faire son vélo. Donc du coup, oui, je suis toujours pas remontée dessus, moi. Par contre, j'ai repris des bonnes initiatives alimentaires, mais je commence à avoir faim. C'est terrible. Mais bon, bah si. J'ai pas mangé de féculents depuis 3 jours, donc là, je vais en manger aujourd'hui, je pense, parce que j'ai vraiment faim. Alors, je voulais faire le point quand même et colo un petit peu avec vous. Vous montrer déjà les colos terminés. Veux-tu arrêter de parler ? Donc pour les schtroumpfs, j'ai marqué les combos parce que je vais les garder. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'ai eu des bons retours. Voilà ma double page des schtroumpfs. J'ai adoré la faire. Ça s'est très 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 bien passé. Ouais, je vous allume. Avec les tombeaux et les lyras. Franchement, très 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 sympa. Ça traverse pas. C'est nickel. Contour à l'encre de Chine, petit mystère, franchement bien sympathique à faire. Donc j'y retournerai, mais en attendant je vais retourner dans le Looney Tunes. Donc voilà pour le colo de ce mois-ci. Et j'ai fini et ça m'a fait participer au pack ou pas cap. Voilà, cette page avait été faite en janvier 2024. J'avais fait le fond. Donc là j'ai tout fini et je suis super contente. Vraiment, je l'ai présenté sur le live. Seb m'avait dit c'est un colo moche. Finalement, c'est pas mal. On m'a demandé le tuto de mes cristaux. Donc ça, je vais vous les faire aussi. J'essaye de vous montrer parce que quand je zoome, c'est pas la même qualité. Attendez, hop, voilà. Quand je zoome, je trouve que c'est moins. Ouais, là, c'est un peu flou quand même, hein, Kali. C'est moins, comment dire? Moins précis au niveau de l'image. Alors attendez, hein, je fais une mise au point automatique, ça sera mieux. Hop, voilà. Regardez ça. Donc moi, mes cristaux, je les aime bien. Et ils ont rencontré un succès. Donc, et je les ai fait à la va-vite. Hein, donc c'est la première fois que je faisais l'essai. Ouais, à refaire avec vous. Il y a des nuances de bleu, vert. Je suis pas sûr qu'on voyait grand-chose à la cam. Mais voilà. En tout cas, j'étais très très contente de vos retours, de voir que ça vous plaisait. Donc ça, c'était vraiment sympa. J'essaie de zoomer pour voir si on voit les détails du colo. Ça sera peut-être mieux. Ouais, c'est pas mal. Une vie, je perds des performances. J'ai un écran de veille qui s'est mis dessus. Super. Voilà. Donc, ce colo, j'ai aimé. Alors bon, là, c'est le truc de action là qui met un relief de fou. Du coup ça je l'ai jeté, hein, vous avez vu, on avait fini sur le live. J'ai adoré faire mon champignon. Franchement, c'était très sympathique à faire. Et je savais pas sur quelle couleur partir finalement. On s'en sort plutôt pas trop mal. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai mis quoi là? C'était une base d'Intense et ensuite je vais mettre du gélatos au doigt. Du violet, du bleu pour faire un petit mélange. Je reviens à mise au point normal. Voilà. Pour faire un. Comment on appelle ça? Des nuances de violet. Là, on est pas mal. Parce que je suis obligé de dérégler, régler. Je suis désolée. Hop. Ouais. Et ensuite, donc là, je sais pas si vous allez vraiment voir les nuances dans la tête de champignon en fait. Vous avez des endroits, là, c'est du violet par exemple. C'est très subtil. Hein. Vraiment, j'ai voulu y aller. Donc en vidéo, je suis pas sûr que vous allez voir beaucoup. L'escargot, j'ai adoré. Il y a du Stickles, du Intense. Du Intense. Et je crois que tout est fait au Intense. Si les bâtiments sont faits au feutre, l'Ira Tombeau, je suis venu remettre dessus de la crévache Raiden. C'est comme les gélatos sur le toit, parce que j'en avais un or. Et là, pareil, sur les fenêtres, je suis venu au doigt. Ce qui fait que ça fait cet effet hyper lumineux
qu'on voit. Et comme j'ai verni ma page, ben forcément, ça donne un effet hyper ultra brillant, quoi. Donc, j'ai bien aimé. Je suis bien contente. Je suis contente de l'avoir terminé. J'étais pas non plus à l'aise. Ah, merci, chou. J'étais pas à l'aise dans l'exercice parce que c'était... je sais pas pourquoi j'étais partie sur ce choix de couleurs, mais finalement, j'aime bien l'harmonie des couleurs. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'espère que ça vous plaira. Donc, 3 colos pour ce mois-ci. Je vais prendre, du coup, on bouge pas. Mon bijou. Parce que j'ai fait plein d'achats à côté. Et qu'il faut que je... Faut que je rentre tout ça parce que je ne l'ai pas fait dans mon bijou. Et c'est pas ça que je cherchais. Vous voyez, j'ai imprimé mes photos pour le faire avec vous. Donc je vais voir si je vais pas faire ça un peu ce week-end. Donc ce mois-ci, j'ai fait 3 colos. Regardez cette page que j'ai faite. J'ai découpé à travers la page. Vous voyez les motifs là de... On va zoomer un petit peu. Pas trop. Je sais pas si on est bien. Non, là on n'est plus bien là. Là on n'est pas trop mal. J'ai découpé en fait la page. Et j'ai fait glisser mon chat. J'ai détouré la feuille pour venir par-dessus. Et j'aime bien ce que ça rend. Et on va faire une double page Alice au pays des merveilles. Donc là j'ai adoré. Et là en fait c'est la fin du magazine. Je voulais garder pour vous montrer que ça c'était la fin du magazine. La dernière page. Et donc, il y avait ce tour. Et moi, j'ai découpé le tour pour avoir un effet un peu miroir, là. Donc, j'aime bien. Et bah, là, il y aura écrit septembre. J'ai préparé mes petites étiquettes. Et là, il y aura mes photos pour mes colos terminés. Donc, septembre, pardon, c'est marqué là. Mes colos terminés. Et ensuite, j'ai ma page, là, qui va être pour les vidéos, je pense. Et j'aurai aussi des moments forts, sûrement. Là, au mois d'octobre, on va aller voir les 10 commandements. C'est des places que j'avais pris il y a longtemps avant ma nouvelle vie. Et donc, du coup, je vais quand même aller le voir. Parce que moi, culturellement, j'adore tout voir. Et je l'ai vu, les 10 commandements, il y a 10 ans. Enfin, non, il y a 20 ans, à Paris. Donc, pour moi, c'était important de le revoir maintenant, il y a 20 et quelques années. Hein. Ça devait être en 97, 98. Et j'avais adoré, c'était ma première comédie musicale. Donc, j'ai hâte de revoir 20 ans après, une vingtaine d'années après. Donc, Seb va le découvrir avec moi. Donc je mettrai sûrement dans mon bijou, en fait, dans mon bijou colo, parce que c'est un peu mon journal intime. Et en fait, je cherchais, mais je n'ai pas le magazine sous la main, il est où? Où est-ce qu'il est? Je suis organisée comme un. Regardez, voilà. Ce que je montrais à Ad hier, sur le live, il y a des pages de Alice au Pays des Merveilles. Et donc je pense que je vais aller... ça m'a un peu inspiré ça, vous voyez? Sachant que là, on est un peu dans un monde un peu féerique, un peu champignon. Je ne me voyais pas mettre des citrouilles et tout. J'étais pas. Puis j'ai regardé les magazines pour en acheter. J'ai acheté, c'est dommage. Et je me suis dit, c'est pas mal ça. Et on a cette version très douce d'Alice au Pays des Merveilles. Et après, on passe sur une version un peu plus dark qui est là. Vous voyez. Donc pour Halloween, ça peut être pas mal. Et j'ai trouvé des feuilles de Harry Potter à créatitude pour faire mon fond. Et là, j'avais même pas vu que j'avais une sorte de Dumbledore, là. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je sais pas comment m'organiser. J'avais pas vu, ça. Ça peut être pas mal aussi, hein. Ça peut être pas mal, parce que du coup, je vous montre les papiers. Bon, c'est pas pour maintenant, c'est dans l'autre bijou. Non, je vais vous le montrer, c'est dans l'autre vlog. Je ne vais pas aller trop vite. En tout cas, voilà. Pour le bijou, ça va être ça. Donc, je vais essayer d'avancer peut-être un petit peu avec vous ce week-end. Faire peut-être un petit quart d'heure de bijou ou pas. On verra. Donc, ça, c'est pour l'avancée bijou. Les 3 colos que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai pas pu vous montrer. Mon chéri m'a acheté un allume-feu pour pouvoir allumer, du coup, mes encens quand je suis... Enfin, ma bougie. Quand je suis sur mon bureau pour m'éviter de me lever sans arrêt. Et on a été à... Enfin, mon mari a été à Action. Et il m'a trouvé ça. Je trouvais ça tellement cool. J'ai regardé un peu. Je crois que c'est qui l'a présenté. C'est Bulle Bleue. Je crois que j'ai vu Bulle Bleue le présenter. C'est la seule que j'ai vu le présenter. Des mangas 7 qu'il a dû payer moins de 3 euros. Donc, dedans, vous avez 1, 2, 3, 8 twin markers. 7 twin markers. Un blender.
un art liner et un white eye, donc un stylo blanc. Vous savez, un stylo gel blanc, un peu comme le Sakura. Du coup, là, on voit la photo. Je l'ai testé, effectivement, il coule plus que le Sakura, mais du coup, il est moins précis. Voilà, j'ai pas testé celui-là. Pourquoi? Parce que je vais l'offrir à un petit garçon. Vous savez, j'aime bien de temps en temps lui faire des petits cadeaux. Ce petit jeune homme qui n'est pas, voilà, qui est arrivé en France il n'y a pas longtemps avec sa maman. Et voilà, c'est ma façon à moi de contribuer un peu à partager mes bonheurs. Donc, j'ai scanné les cartes. Comme c'est un enfant, je lui ai mis des cartes scannées parce que je trouvais que du coup, au niveau de l'impression, c'était plus joli comme ça. Bah, c'est un tout petit, il a 7 ans, donc vraiment, c'est pour qu'il s'amuse. Et les Twin Markers, je lui offre. Je les ai pas testés, donc je peux pas vous faire de retour. Je ne veux pas lui offrir quelque chose que j'aurais moi testé d'abord. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, je n'offre pas de l'occasion. Donc voilà, hormis les cartes. Donc, je vais vous présenter les deux sets qui doivent être mélangés. Vous ne m'en voudrez pas. Mais, ouais, des cartes incroyables. Moi, j'adore. J'adore. Et du coup, ça va faire des belles choses aussi que je vais pouvoir afficher. Sous vitre, je pense. Là, j'adore son regard. Hier, on a fait un regard sur le live. Je les aime toutes. Il n'y en avait que deux que j'aimais pas dedans, mais je les ai laissées dans la boîte. Ça me fait penser à Lady Oscar. Là, les Chevaliers du Zodiaque, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est... Chibi classique. Celui-là est trop mignon. Mais je les trouve très très belles. Il n'y a que vraiment deux cartes que je n'aimais pas. Et que j'ai laissées. Donc ça, forcément, je vais les faire au marqueur à alcool, inévitablement. Je peux vous montrer les deux cartes que j'ai laissées. C'est celle-là, je crois. Et celle-là. J'aimais pas du tout le regard de ces personnages. Attendez. Hop, on éteint. Hop. Là, ce petit couple marié, j'aimais pas du tout le... Et ce chien-là. Voilà, c'est les deux seules cartes sur tout le set. Donc sur 20 cartes pour 6 balles, franchement. Ça le fait bien, c'est du bon papier. Il est lisse. Il est épais, mais pas trop. Donc il va pas vider vos marqueurs à alcool. Moi, je préfère sur du plus fin, mais voilà. C'est somme toute, il est bien. Il a l'air bien. Faut que je le teste. Mais je voulais, avant de tester... vous les présenter. Donc ça, c'est fait. Dans les achats, c'est le dernier achat pour ce mois-ci. Je m'excuse encore par rapport à cette épaule là, et j'avais d'abord le pouce et après l'épaule, mais vous savez que ça, il va falloir faire avec. Malheureusement, je contrôle pas tout, et encore moins ça. Donc j'ai presque fini mon chibi. On a fait en live ensemble, j'ai tenu, je suis ravie parce que du coup vous avez très bien, on va colo un petit peu ensemble pendant que je parle, vous avez adoré suivre ce colo. Donc ça, c'est mon duo que je dois finir. Donc, il faut jouer si je finis en live ou pas. Je peux vous le montrer, parce qu'elle m'a envoyé le sien, elle l'a fini. Mais il me reste toutes mes couleurs à faire. Donc là, il faut que j'avance quand même. Prochain colo qu'on va faire au marqueur alcool en live, en tout cas sûr, c'est celui-là. Je voulais un esprit un peu chocolat. Voilà. On est encore un peu dans les fruits, fraises, bananes, mais je voudrais un esprit un peu chocolat. Donc on va voir ce que je vais pouvoir faire. Et ma chibi, voilà, j'en suis contente. Alors, elle devait être moins foncée au niveau de la peau, je me suis foirée, c'est-à-dire qu'au moment de blender, au lieu de prendre la couleur la plus claire, j'ai pris la couleur, la deuxième plus foncée. Comment vous dire? Donc, j'ai rattrapé comme j'ai pu au blender et tout. Finalement, franchement, ça rend bien. Et elle va rentrer dans le pack ou pas cap, c'est pour ça que j'avais sorti mon bugeot. Alors, on va poser ça. Tout a été fait sur le live. Bon, j'ai rajouté moi le glossy accent, du coup, dans les yeux. Le blanc, là, c'est le Copic que je vous ai présenté en tout début de vlog. Le petit pot. Alors, effectivement, j'en ai pour 3 ans, hein, si ce n'est pas plus. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté. Pour le prix, c'est sûr que... Et là, il me reste les feuilles à finir et l'arbre, le tronc. Mais je suis hyper contente. Dedans, j'ai mis du... sur les vagues, j'ai rajouté du médium iridescent. Et des stickles turquoises, mais que je suis vraiment venue étaler, écraser, pour pas qu'on les voie, et que ça fasse vraiment juste des reflets dans l'eau. Voilà. La médium acrylique, mais j'ai tout expliqué sur le live, en tout début de live. Vous l'avez, c'est le dernier live d'hier, donc du 25 septembre. Je sais pas vous, vous allez le voir plus tard. Là, j'étais venue mettre aussi du médium de texture, avant de mettre, pour avoir un effet un peu granuleux. Vous voyez pas à la cam, mais moi j'aime bien. Et médium caméléon. Et donc c'est ce que je disais sur le live,
J'ai fait une sorte de liste. Alors, vous savez que sur Amazon, j'ai ma wishlist. Là, on parle d'autre chose. C'est la liste, elle s'appelle les must-have de Cali. C'est-à-dire que dedans, je vous rentre tous mes produits au fur et à mesure, mes produits phares, les produits que j'achète, que je rachète et que je garde. Voilà. Ça vous permet, peut-être quand je vous en parle à l'Apocopie, que ça vous intéresse pas, mais peut-être qu'à Noël ou à votre anniversaire, vous aurez un bon d'achat et vous vous dites, ah tiens, j'aurais bien acheté ça. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant pour vous. J'essaye de mettre que des liens Amazon France. Par sécurité, j'essaie de vous mettre des liens que j'ai testés et où les frais de port sont presque à zéro ou à zéro. Voilà. Donc normalement, si ce n'était pas le cas, je m'en excuse, il s'agit d'une erreur. Et pareil, maintenant je suis affiliée Amazon, donc vous avez des liens. Vous savez que c'est ce qui peut m'aider. Sur chaque vidéo, vous aurez les produits, mes produits chouchous. Donc ça, je les laisse tout le temps. Et je rajoute, comme là, le livre Chibi, je vous mets la ref, sachant que de toute façon, maintenant, vous les avez dans ma liste, justement, des must-have. Donc, est-ce que je vais continuer à les remettre sur la liste Chibi, je sais pas. Ou est-ce que, voilà, enfin, la liste des matériaux utilisés dans cette vidéo, ce que j'appelle comme ça. Vous avez les liens. Ma wishlist, la liste must-have, pardon, excusez-moi, c'est l'occupant, must-have, avec tous les produits et les produits utilisés dans ce live. Ça, c'est pour les lives. Après, pour les vlogs, ça va être plus compliqué parce que pour les vlogs, j'utilise beaucoup, je vous montre beaucoup de produits. Donc, c'est pour ça que la liste must-have, c'est vraiment pas mal à avoir pour vous. Parce que vous allez revoir des choses que j'ai pas mis, le médium iridescent. Je peux pas tout remettre dans le descriptif. Donc, je pense que pour les vlogs, je vais laisser tel quel et vous inviter à aller directement dans la liste must-have. Ce qui m'évite de remettre des liens à chaque fois. Vous retrouverez tous les liens des produits dedans. Alors, on va coller un petit peu. Je fais les feuilles avec vous. Est-ce que je zoome un petit peu? Ça serait pas mal. Ce sera plus sympa pour vous. Moi, j'ai adoré. J'ai hâte de le finir, ce chibi. Vraiment. Et il rentre. Ah oui, c'est ça que je voulais voir dans le pack ou pas cap. Je crois que ce mois-ci, j'aurais fait les un pack ou pas cap par fille. Et ça, c'est cool. Alors, hop, la mise au point. Ça voudra toujours pas. Voilà. Ma cam, elle a un problème avec cette mise au point automatique. Elle l'a fait plus haut, elle la fait pas plus bas. Donc, je suis obligé de faire un peu à la wall again. Hop, un peu trop à la wall again. En fait, je vais avoir passé mon temps à régler ma mise au point et pas du tout à avoir colo avec vous. Ça va m'agacer. Normalement, je pense qu'on... Là, on doit être pas mal. On doit être pas trop mal. J'essaye avec une carte pour voir. Ouais. Ouais. On va dire ouais, vous m'en voudrez pas. Hein, voilà. Donc là, j'ai utilisé, je vous donne les combos, tous les autres combos sont forcément sur les lives. 72-40, 72-60 et 81-25 de chez Graphite. Et du coup, on arrive presque aux 1000 abonnés. Retour sur le room tour, j'ai adoré, je voulais pas le tourner, vous savez avec ce qui s'était passé. J'ai adoré vos réactions, franchement, c'était topissime. Petit kawa. J'ai été ravie, vraiment. J'ai découvert des gens qui me suivaient, qui ont regardé en tout cas le room tour. Pareil, je ne m'y attendais pas. Des nouvelles personnes, des nouveaux abonnés. Que du bonheur, que de l'amour. Donc vraiment, merci pour ça, comme dirait Vianney. Et puis, je n'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolée. Allez, les mains, là, c'est vraiment... ça, c'est mon angoisse, parce que maintenant que j'ai trouvé vraiment une passion et... J'ai tellement peur de... Quand je vois que là, mes luxations, c'est de pire en pire. J'ai peur d'un jour de pas pouvoir colo, quoi. Mon chéri dit si, si. T'as dit quoi? Ah, si je te cague. Alors, pour lui, si je colo pas, je vais le caguer. Déjà, ça, c'est tout est dit. Hein. Et en plus... ouais, alors colo, il me dit. J'avance le micro. Je suis désolé, il va arriver dans le champ de vision, peut-être un peu. Mais mon chéri va me refaire mes réglages après. Je vais baisser le... Hop, comme ça. Ça sera mieux déjà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment peur, quoi. Et je me dis que si j'arrête de colo, c'est sûr que je reprendrai la cigarette. Hein. Je vais pas tenir. C'est pas possible. C'est impossible. Et ça, c'est mon angoisse en ce moment. Mais bon, on n'y est pas. Voilà. Donc ce matin, on s'est levé super tôt parce que laboratoire, prise de sang tous les deux. Du coup, après, j'étais faire un tour sur le... Ça m'a l'air super flou. Hein. À chaque fois que je dis ça en live, vous me dites non, vous.
Mais moi, ça m'a l'air flou. Hein. On t'entend. Enfin, j'espère qu'on n'entend pas. Il dit des gros mots. Donc, ouais, j'ai pu aller du coup sur le live pour une fois. Je suis pas resté longtemps de Panoramimix. Attendez, je vous mets en pause deux secondes. Excusez-moi. Donc, c'était un appel colocopine. Du coup, ouais, j'ai pu aller voir le live de Panoramimix et de Plim. Donc, ça fait plaisir aussi. Parce que moi, les lives le soir, bah, j'y vais pas. Les lives le matin, c'est compliqué. Enfin, voilà, quoi. Donc, on peut croire que Kali, elle est hyper prétentieuse, alors que pas du tout. Mais du coup, là, je suis tellement contente de pouvoir recolo. Alors, effectivement, marqueur alcool et feutre pour moi, pour mon handicap, c'est déjà mieux. Et là, c'est ce qui m'a permis de tenir, quoi. Donc, je vous ai pas montré, mais on va aller sur un Clara Markova double page pour Halloween. Donc, prochain live, ce sera au crayon de couleur. Et je vais alterner, en fait, avec les marqueurs pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et du coup, ça veut dire que... je vais vous montrer, si vous voulez avancer avec moi. D'entrée de jeu, le fond sera sûrement au maquillage. Et le reste au crayon de couleur Holbein. Voilà. Sachant que les Holbein, c'est à peu près le même color chart que les Prisma. Donc, comme ça, ça vous donne une ref. Il me reste ça à vous montrer. Puis, je vais clôturer le vlog, là. Le clôturer, faire les montages et vous le poster. Puisque mardi, je suis à l'hôpital. J'espère vraiment que genre en mode... le lendemain, tout ira bien comme si de rien n'était. Mais voilà. Je peine à y croire. Oui, il me dit si vous m'enlevez quand même 15 petits morceaux d'estomac. C'est quand même pas rien. Ouais, 15, vous avez bien entendu. Quand il monte, je dis pardon. Pardon, ça arrive, il fait quelle taille l'estomac? Bon, ça va, je suis bonne mangeuse, donc il est pas tout petit, mais quand même, quoi. Donc, c'est pas comme le foie, ça se régénère pas. Hein, donc, voilà, j'espère. Donc, je me suis dit, je vous sortirai le vlog sûrement ce week-end, dimanche ou plus tard lundi. Comme ça, ça vous fait un vlog en attendant, et j'espère que fin de semaine je pourrai faire un live, ça m'arrangerait fortement, vraiment, mais je m'engage pas là-dessus. Par contre, la semaine d'après, sûr, il n'y aura pas de vlog le mardi parce que je suis en centre de rééducation, mais vous aurez un vlog le mercredi, voilà, normalement. Maintenant, comme vous savez, je les annonce pas toujours, donc voilà. Et puis ben, bientôt les 1000 abonnés, enfin j'espère. Je dis bientôt, oui, parce que finalement, on a passé la barre des 900 et que ça, c'est que du bonheur. Je vous en remercie infiniment. Et les 1000 abonnés vont me permettre de lancer aussi l'abonnement. Un abonnement pour passer plus de temps avec vous, plus de partage, plus de... Voilà, je vous en dis pas tout. Mais on a travaillé dur avec la Kali Family pour trouver des idées, des propositions aussi que vous n'avez pas forcément sur les autres chaînes. En tout cas que je suis moi, et me rapprocher de vous et nous protéger tous. Donc comme ça, ça va être assez sympathique, je pense. J'espère que ça, enfin je pense que ça va vous plaire quand même. Donc ça, j'ai hâte. En fait, plus qu'autre chose, pour moi, les 1000 abonnés, c'est ça. C'est me dire, je vais lancer. C'était mon challenge d'arriver aux 1000 abonnés pour vous lancer ça. Et voilà. Et j'espère juste que ça va marcher, que je vais pas être débordé dans le temps, mais j'aurais hâte d'avoir vos retours. En tout cas, un beau chemin. Un beau chemin au bout de 2 ans. Voilà. Hein. Vous savez ce que je pense et ce que je vous dis. Donc, on va pas rentrer dans le sentimentalisme, encore une fois. Mais, ouais. On regarde derrière le room tour. Moi qui voulais pas le faire, finalement, c'était que du bonheur. Ça, tous les jours, je disais... Oh, je sais pas... Encore des nouveaux abonnés, des commentaires. Mais des nouveaux abonnés, c'est pas dans le sens... Ouais, encore des nouveaux chouettes, hein. Moi, j'adore avoir mes repères, mes fidèles, comme je les appelle, ma petite tribu. Mais ça veut dire que la vidéo, elle plaît aussi. Puis les gens ont pris le temps de mettre un pouce, de mettre un commentaire. J'ai répondu à chaque commentaire personnellement. C'était important pour moi. Waouh, ouais, vraiment, c'est la première fois. Puis Seb et Mélissa se sont donné du mal, m'ont incité à le faire. Donc j'étais tellement contente aussi pour eux. Donc merci pour eux. Ça, je vous l'ai dit en live, mais je vous le redis là, pour celles qui ne regardent pas les lives. Merci, merci infiniment, parce que voilà, eux qui m'ont incité, qui ont pris la cam, qui ont perdu, enfin perdu, oui, parce que eux, ils colo pas, c'est pas leur passion, hein, donc quelque part, quand je dis qu'ils ont perdu ce temps, bah, c'est du temps qu'ils ont consacré pour faire ce rush avec vous, et voilà quoi, c'était fun, c'était top, pour ça, ouais, vraiment, j'ai beaucoup de chance. C'est ce que je disais hier, c'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas cette passion
Ça serait très compliqué, sincèrement, au niveau de... alors, on va peut-être pas aller partout, hein. Au niveau de ma santé, ça serait hyper compliqué, je suis désolée, vous voyez rien, là. De gérer émotionnellement parlant, y compris là, bah, la partie bagarre avec l'employeur pour le licenciement, hein. Voilà. J'essaie de pas vous en parler parce que c'est négatif. C'est dur déjà pour moi, on me facilite pas les choses. Et si je devais en parler, ça serait pour faire de la mauvaise publicité, donc j'espère que je n'aurai pas à en revenir là. Mais si ça devait arriver, je ne me gênerai pas, ceci étant dit. Du coup, voilà, ouais, je me dis le colo, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me donne envie de... Voilà, ce matin, là, j'ai pas le moral dans les chaussettes, parce que bah, la prise de sang, j'angoisse un peu, quoi. Et bah, du coup, voilà, le colo, les copines colo, tout de suite, ça te change la vie, quoi. Enfin, je... Et je vois pas mes journées passer, j'ai pas le temps de les voir passer, ça c'est vraiment que du bonheur. Donc j'essaye que mes partages soient intéressants, je m'excuse parce que ce vlog là, c'est vraiment celui qui aura eu le moins de colo, le moins intéressant. J'ai partagé avec vous un super resto parce que pour celles qui sont sur le secteur, vraiment ça paye à connaître. Et le menu, comment vous dire, pour 15 balles le midi, bah voilà quoi, hein, pas photo. Et le soir, c'est le même menu, mais il est doublé en fait. C'est double plat, double entrée pour 20 euros. Donc voilà, donc c'est vrai que je m'étais dit, je vous avais proposé ça, de vous partager aussi des bonnes astuces. Les bons filons et bah, le parfum, de, le magasin de parfum, non seulement elles sont adorables, mais en plus, vraiment au niveau prix, qualité, etc., ça paye tellement être connu que je pouvais pas ne pas le partager avec vous. Voilà, sinon vraiment, si j'espère que vous allez me faire un retour, je vous le demande, d'ailleurs, ça serait super gentil. Parce que sinon, la prochaine fois, ben, dans ce cas, je ne sors pas de vlog, si vraiment... je vois que, mais c'est aussi l'esprit du vlog, hein, quelque part, de pouvoir partager des moments de vie. Alors j'essaye que ce soit un petit peu intéressant et pas trop long. Là, le tag, je trouvais ça assez sympa de le faire en famille. Donc j'espère que vous allez le reprendre. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires au tag, aux questions posées. Et puis, comme ça, moi, je vous lirai avec grand plaisir. C'est quelque chose que j'aime toujours faire autant. Je vais essayer de vous le mettre dans le descriptif. Donc vous voyez, c'est pour ça que par exemple, quand je vais mettre un tag, je ne pourrai pas vous mettre les liens des produits, les liens des livres, et qu'il va falloir aller consulter la wishlist, enfin la wishlist, la liste, must have, parce que sinon je peux pas vous mettre les questions, et là c'est compliqué quoi. De vous retrouver à recopier des questions, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, enfin voilà. Donc on va voir si j'arrive à vous les mettre, sinon je vous les mets en poste. Vous les retrouverez en... Je les copierai dans un commentaire. Pour celles qui veulent reprendre le tag. Dans un commentaire, non pardon. Dans un post sur la communauté, l'onglet communauté. Vous savez faire maintenant. Donc si vous ne le voyez pas dans le descriptif de vidéo, allez sur l'onglet communauté. Comme ça, vous aurez les questions. Et je vous mettrai le lien du live pour celles qui tombent que sur l'onglet. Comme ça, ce sera plus sympa, je pense, pour tout le monde. J'espère que c'est protégé derrière. Ouh là, heureusement que je regarde, ça a glissé, n'est-ce pas? On fait pas ça. Donc voilà, donc je voulais vous prendre pour clôturer ce petit vlog. J'angoisse un peu à l'idée de le poster, hein. J'avoue que là, j'aime pas trop parce que j'ai... Comme en fait, je l'ai fait sur très longtemps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Mais je pense pas quand même qu'il n'y a rien. Mais là, j'ai pas aimé que ça s'étale sur autant de temps. Mais c'est vrai que je pouvais pas colo avant, donc je me voyais pas faire un vlog... J'aime bien que vous ayez une partie haul, une partie blabla, une partie tranche de vie et une partie colo, sinon aucun... Enfin, je trouve que ça fait partie du truc, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux faire ça avec vous, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, je vais contourer mes feuilles à la plume et à l'encre, donc pour les faire ressortir un petit peu. Faire ressortir le cocotier, faire sortir... Déjà, ça prend en volume, mais c'est vrai que je me dis qu'à l'encre, ça peut être très sympa de les faire ressortir. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas les contourer en vert, parce qu'en noir, ça me paraît sombre. Alors, je vais peut-être d'abord contourer au noir, au graphite noir, voire au fine liner noir. Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, aïe, aïe, j'ai fait de la bêtise, là. C'est pas grave, j'ai pas pris le bon. Et si je vois que c'est joli,
Bah, je laisse comme ça, sinon je contoure à la plume. On verra bien. Et je le posterai. Donc, c'est doit être pour le pack ou pas cap d'une peau foncée. Je crois que c'est Camille. Et pour Panorama Mix, c'est le celui à 30 points. Coquillage, crustacé, océan, sable, ciel. Voilà. Du coup, comme ça, je rentre dans tous les thèmes. Puisque Johanna Carlson est rentrée dans un champignon. Enfin, les colos. Ah, j'ai fait à l'envers. J'aurais dû faire mes ombres. Tant pis, celles-là seront à l'envers. Un champignon pas rouge et l'autre c'était je sais pas si c'est pas Plim qui avait dit la ville, l'endroit où on vit. Donc moi comme je suis entre la nature et la mer et voilà, je trouve que c'était pas mal ce champignon là et c'est un paysage urbain, donc très bien. Lana Carlson rentrée Paul Pile. Et donc c'est la première fois que j'aurais fait un colo, enfin j'aurais fait les quatre personnes. J'aurais participé aux 4 packs ou pas cap. Donc ça, je suis plutôt très 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 contente. Et puis voilà, bah, j'espère que les colos plairont. Mais moi, ils me plaisent. Enfin, c'est ce que je dis maintenant. C'est-à-dire que les colos, c'est aussi fait pour qu'ils vous plaisent à vous d'abord, quoi. Donc, j'ai pas beaucoup colos, mais j'ai tenu ma moyenne. Donc il me reste le bijou à faire. Je ferai pas tout avec vous. Mais comme on m'avait demandé, je ferai peut-être un live... prolongé ou un live en duo, faudrait que je voie, et j'essaie de gratter Ad, j'essaie de me la gratter pour faire un live collage, ça serait sympa. Donc faut que je la motive, mais ça serait assez sympa. Donc sur ce, bah écoutez, on est quand même déjà à 31 minutes de blabla. Ça passe bien bien vite. Bon là, je me casse pas trop la tête à faire un super dégradé, parce qu'en fait en vrai d'abord, c'est des feuilles et que la zone ne me permet pas de... Mais j'arrive quand même à avoir ce que je veux. Ça se fond assez bien. J'aurais bien fait au copique, mais j'ai pas toutes les couleurs. Donc là, j'en ai racheté 4 ou 5 que vous verrez dans le nouveau vlog. Mais ça fait un effet. Ça fait un effet, j'aime bien là. Ça donne un effet de profondeur, donc ça se passe bien avec les graphites. Mais c'est vrai que j'aurais voulu pour pousser un peu les copiques. Mais ouais, j'ai déjà kiffé mes copiques. Hein. Ça, on va pas se mentir. Je les ai déjà bien, bien, bien kiffé. Donc voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous embrasser avec le don, ben voilà, le E, le. Ouais, j'espère que j'en ai pas trop fait. J'essaie de me corriger, je vous promets. Je vous promets. Un jour peut-être un vlog sans tics verbaux. En tout cas, vous savez ce que je vous souhaite toujours et ce que je vous dis sincèrement. Ben merci de me suivre. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est important pour moi, pour la suite et pour vous aussi. Et en attendant, ben, je vais vous souhaiter de profiter de la vie. Prenez soin de vous, la vie est belle et la vie est courte. Et je vous dis à tout bientôt dans ma bulle. Bisous, bisous et cœur sur vous, ma communauté.